parce que... Ah, attends la musique, attends la musique, attends... Non mais non, il faut pas arrêter la musique tout de suite parce qu'il faut que je déjà le dise. Le jeu, ça va être ça, voilà, et le son du jeu, il va être là. Hop, Music Bee qui a quand même la générosité de mettre un petit filtre qui atténue la musique quand on la lance ou quand on la termine. Regarde, écoutez bien, ça fait wouhou. Voilà, et après wouhou. Vous voyez, c'est beaucoup mieux que sur YouTube où ça fait ping, ping. C'est quand même compliqué. But that launches the babies into the space. Alrighty, hits the button. Let's freaking go. It's a button to launch the baby into space. Je vais... Du coup, c'est Dokimon. C'est Dokimon, le jeu? Parce que ça, c'est l'autre jeu de où il faut faire... Enfin, c'est pour faire ses propres Pokémon Maker, mais il faut avoir un tout petit peu de compétences en programmation, apparemment. Ça, enfin, c'est un peu recommandé. On peut apparemment faire ça, mais voilà. Et il y a besoin d'un autre... Oh, mais Drake! Joujou, 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 Mial pense, mais Drake, tu étais en stream! Mais salut, Drake! Bienvenue à toi, on joue à Dokimon. Attends, je vais lancer le jeu. Je crois que le son est trop fort. Il y a même pas de musique. Au début du jeu, j'avais oublié parce que j'avais testé. Il y a pas de musique. Et du coup, je vais faire une musique très très puissante pour ton arrivée. Ce sera ton thème, ton film song. Ok, tu es prêt? C'est le Pipe for Dreams. C'est Anthem for Pipe Dreams. Attention, attention. C'est Drake, le lion blanc. Il arrive sur la place. Hey, ce putain de Drake le lion blanc. Regardez, je vais le chouchouter. Vous connaissez pas Drake? What the fuck, quoi. Regardez, c'est Drake le lion blanc. Il joue à quoi? À Resident Evil 2. Un speedrun. Attends quoi? Ah mais oui, tu speedrun le jeu, j'avais oublié. Et bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue, et bienvenue. Salut Jex Dragon, salut. Oh, j'adore cette putain de musique. Je sais pas si la musique de Dokimon va être très bien. Oh putain, pour l'Anthem for Pipe Dreams, il y a la pipe qui tombe toute seule. Merveilleux. J'ai même pas besoin de forcer la chance. Merveilleux. Merveilleux. Oui, je sais pas si les musiques sont très bien, j'en ai entendu qu'une seule. Et après, il y en avait plus vraiment beaucoup. Donc bon, je sais pas. Mais non, mais en plus, c'est le mauvais, c'est pas le mauvais, c'est pas le bon que j'ai lancé. J'ai lancé Dokimon quand je voulais lancer New Monster, c'est pas le bon. Je me suis trompé. C'est pas le bon jeu. Mauvais jeu, mauvais jeu. Le vrai jeu, c'est lui. Attendez, arrêtez tout. Le vrai jeu, c'est lui. D'ailleurs, je vais le capturer. La musique super triste. Elle est vraiment très triste. Juste envie de chialer. Putain. Envie de me foutre en l'air dans un coin. Je vais chialer. Je vais chialer. J'ai pipé. Je voulais chialer, mais j'ai pipé. La 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 No Monster. Je suis No Monster. Est-ce que vous êtes plutôt Yana ou plutôt Yasaka? Je peux m'identifier personnellement à ces deux personnages. Mais je crois que je vais prendre Yasaka parce qu'il a une meilleure coiffure. Mon nom c'est Gros. Hein? J'appuie sur quoi? Mais je voulais... Ah mais c'est parce que c'est... Il faut que je mette le clavier anglais sinon ça restart. Bah putain de bordel de merde. Je crois que le jeu a détecté que j'étais non-binaire et du coup il m'a dit tu n'es ni fille ni garçon, ça va pas. Je vais prendre Yasaka et mon nom... Non, c'est pas Yasaka, putain, mon nom! Je restart le jeu. Dégage. Il était bien ton run, Drake. Tu t'es bien abusé. Je suis Yasaka. C'est quoi le problème?
J'appuie sur mon clavier, ça restart le jeu. Il faut vraiment que j'appuie n'importe où. Non, apparemment R, ça restart. Donc génial. Donc mon nom, c'est Kouhou. Salut, je suis Ray. Je suis tellement heureuse de te retrouver ici ce soir. Je suis tellement heureuse de te retrouver sur No Monde Star et de te... Bienvenue, je te bienvenue. Premièrement, merci beaucoup d'avoir acheté ce jeu. Je vais casser le quatrième mur immédiatement et t'empêcher d'avoir une expérience où tu te plonges dans un univers... Dans mon monde et nous monster, et ben c'est le premier et le premier et le plus équipé des jeux AR. Je sais pas ce que ça veut dire AR, virtu AR, des jeux arrêt respiratoire. C'est le premier des jeux à arrêt respiratoire après avoir installé sur ton équipement arrêt respiratoire de ton choix, tu pourras trouver de curieuses petites créatures dans le monde devant tes propres yeux. Les joueurs sont libres. Ah, arrêtez de me tuer avec une pipe en métal. Les joueurs sont libres de collecter, de battler et d'amitié tous les monstres de leur choix. Les New Monsters eux-mêmes c'est un jeu de combat qui tourne autour de ton arrêt respiratoire. C'est représenté par Hello quoi, Ilona, Mistressa, hello quoi, every player, tous les joueurs commencent avec au moins 1000 hello. Ah mais c'est la currency. 1000 Elon Musk dans leur poche, et ils ne pourront pas en avoir moins. Les plus haut placés, les New Monsters, des joueurs New Monsters sont très très respectés et ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir et ils influencent sur la politique du pays. Il y en a certains qui sont d'extrême droite et d'autres qui sont pas d'extrême droite mais ils ont moins de pouvoir, c'est bizarre, enfin bref. Amusez-vous bien. Pour pouvoir élever vos Elon Musk, vous avez besoin de battre d'autres joueurs et éviter de perdre, hein, peut-être. À chaque fois, vous gagnez 100 Elon Musk. Et puis après, vous avez besoin de tuer des traders d'élite, des dresseurs d'élite pour avancer. Les dresseurs d'élite sont au top de leur forme et ils servent de blocage. Ils font blocus, ces salauds. Une fois que vous avez atteint 1100 Elon Musk, vous ne pourrez pas gagner plus avant d'en avoir battu un. Ce sera la même chose pour 1200 Elon Musk, 1300 Elon Musk, 1400 Elon Musk, et tout ça jusqu'à 2000 Elon Musk. Mais ça fait beaucoup de règles à la con à donner en début de jeu. Hein. Dis donc, moi je voulais jouer à New Monster, vous pouvez pas les appliquer en cours de temps quand on avance avec son petit bonhomme en disant « Hey, vous savez que vous pouvez compléter les Elon Musk ? Hey, vous savez que vous pouvez... » C'est... Enfin bref, là c'est con. Cela termine l'intro et mon brisage du quatrième mur. Pour en apprendre plus sur la bagarre, et ben, ou pour lire ça encore une fois, et ben tu peux m'appeler quand tu veux. J'ai mon numéro et c'est Carglouche, tout ça. Tu m'appelles quand tu veux. Et tu peux, voilà, tu vois, oh, merde. Hein. Et allez, sois prêt à commencer ton aventure. Bonne chance, Kouhou. Alors, Asobi Asobase, Mizusan ou Pusaro? Alors là. Comme Pokémon Go, quoi. C'est Pokémon Go. C'est Pokémon Go. Kouhou! Je suis malade et j'ai fait que de la merde, mais du coup, je peux utiliser la maladie pour l'excuse. Oh, désolé, mon run, il est tout pourri, mais c'est à cause de la maladie. Oh, c'est pas du tout parce que j'y arrive pas, non. Je te souhaite bon rétablissement, hein. Un prompt rétablissement à Drake, le lion blanc. Envoyez-lui toutes vos prières. Toutes les prières à Drake. Ouhouhou. Augmented reality. Ah, c'est ça, alternate reality. Ah oui, c'est peut-être augmented ou alternate, oui, en effet. Mais arrêt respiratoire, c'est mieux, ouais. C'est mieux, moi, je trouve ça mieux, je trouve ça plus à propos. Sans Elon Musk, ça fait beaucoup de Tesla, oui. Ouais, ça en fait vraiment beaucoup. Alors, on va voir la description. Mizusan, eh ben c'est un type naturel, de type de l'eau naturellement gazeuse. Et c'est un monstre qui a beaucoup d'énergie. Déjà, si c'est de l'eau naturellement gazeuse, peut-être que oui. Asobi Asobase, c'est un animé, j'ai oublié à quoi il ressemble. C'est un Pokémon de type astral. Putain, c'est pas du tout un type feu, hein. Non, c'est type astral. Et tu utilises son pouvoir pour pouvoir au top du game, pour dominer toute la compétition. Kusaro, c'est un type vivant, bah il est vivant et il peut s'estimer heureux de l'être. C'est un serpent monstre. Et en plus il a une queue très tranchante.
Alors, je sais pas. J'aimerais bien je pense que je vais prendre, même si je suis naturellement portée vers le feu. Le feu, je vais tuer Lucie et brûler son corps, quoi. Bah, je pense que je vais prendre l'eau naturellement gazeuse. Mais j'hésite un peu. Non, je vais prendre l'eau naturellement gazeuse. D'accord. D'accord. C'est moi. Alors, je tiens à dire, j'ai acheté ce jeu pour, je crois, 4,20€ ou un truc comme ça. Donc si ce jeu est vraiment nul à chier, vous pouvez me juger. Je l'ai acheté en réduction en me disant, un petit Pokémon like comme ça, ça peut être mignon. J'avais vu des retours qui étaient un peu positifs. Je me suis dit, bon, allez. Normalement, je n'achète pas un jeu à ce prix-là quand j'en sais vraiment rien. Mais là, je me suis dit, bon, allez. Pour l'expérience. Mais du coup, vu le tuto... Je m'attendais pas à ce genre de tuto. Alors on va voir si c'est bien ou pas. Le guide de Nyanko. Appuie sur Tab pendant une bataille pour avoir de précieuses informations. Des mouvements spéciaux peuvent utiliser seulement une fois par bataille, par bagarre. Et pour changer de monster, tu vas sur le prochain monstre. D'accord. Salut Kohou, tu te rappelles de moi? Si tu te sens perdu, va bien me voir, je peux t'aider peut-être. Alors, et n'oublie pas, ce jeu a un système d'autosave. Du coup, c'est bien pratique. Si tu me vois sur le coin en bas à gauche, ça veut dire que tu ne mourras pas. Et j'adore briser le quatrième mur, putain, c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère. Salut mon miel, j'espère que tu t'amuses bien avec ton jeu. Oh, laisse-moi m'occuper de tes petits monstres pour toi. Et voilà, c'est tout mieux, c'est tout propre. M'appelle pas mon miel, maman, ça craint. Salut Sakuna, what the... Bienvenue à toi. Wesh wesh wesh, il faut rester propre. Le four est tellement propre que c'est presque comme si on ne l'avait jamais utilisé. Eh bien, voilà. Ma mère a posé deux verres à nouveau. Elle sait très bien que je ne bois pas d'alcool, mais elle essaye d'insister. Et branchez-vous, enfin, revenez donc la semaine prochaine pour la grande bagarre entre Nyanko et Inuko. Tu fais quoi? Bah je joue à No Monster, c'est un jeu sur itch.io que j'ai pris là récemment, et du coup je le teste. Et il a intérêt à être bien parce que j'ai dépensé de l'argent réel. Alors j'ai beaucoup d'attentes pour ce jeu, étant donné que j'ai dépensé de l'argent réel. C'est un Pokémon-like. La musique me rend trop triste. La musique est trop triste. C'est pas une musique entraînante comme Pokémon, c'est une musique très posée. Un peu nostalgique. Je me suis enregistré, je me suis connecté à No Monster aujourd'hui et j'ai trouvé un nouveau monstre dans mon PC. Je l'avais jamais vu avant, mais il est super puissant. Je l'ai trouvé. J'ai réalisé que c'était un monstre d'événement qui m'était donné pour m'être connecté dans le jeu. Ah bon, et moi j'en ai un, le monstre d'événement. Je sais même pas comment ouvrir mon menu, putain. Ils m'ont donné un long tutoriel pour m'expliquer ce que c'était que le jeu. Mais je sais pas comment ouvrir mon menu, c'est peut-être M. J'ai peur d'appuyer sur les boutons, en fait. Parce que si j'appuie sur les boutons, ça peut peut-être... Oh, c'est bien Escape. Ok, c'est R, c'est sûr. Non. Mais bon. Tac. Putain, entrée ne marche pas. Z, E, pas R, T, Y, U, I, O, P, M, L, M, P, P, ça arrête la musique? Si P, ça arrête la musique, ça veut dire que... Ça veut dire que... Oh là là, la musique de ce jeu, elle est bien!
Mac. Donc M, L, K, J, H, G, F. Oh! Wow! En plein écran le jeu! C'est bien mieux pour moi maintenant, le jeu est grand. Oui, maintenant je vois, oui c'est vraiment charmant. Appuyez sur F, c'est vraiment très 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 chouette. Appuyez sur F, c'est vraiment le futur du jeu vidéo. Ça c'est sur Q, W, X, C, V, B, N, Tab. Je ne sais pas comment valider, je ne sais pas comment valider, je ne sais pas, est-ce que la manette est connectée, peut-être qu'elle marche. Oh, la manette marche, si j'appuie sur... C'est même pas les bons boutons, je sais même pas comment appuyer sur ça. Ah mais si ça marche, c'est juste que j'avais pas accès à cette merde. Allô? Nom des... Sur... Qui? Chité... Gu... Mu... O... Oui. C'est comme ça que ça se lit d'ailleurs, oui tout à fait. Shimansuka. Oui. Non. Gu... Oui. 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 Et du coup, maintenant je réalise que je peux jouer à la manette, c'est mieux. Ah là là. Trop bizarre, cette musique me dit grave un truc. Non, non, non. C'est juste inspiré, c'est tout. Bonjour. Ça a craché mon jeu. Error. Action number one of draw event for object par NPC. File is not open for reading. J'ai acheté ce jeu. Vous le voyez pas, mais j'ai... Je vais vous montrer mon code d'erreur. Il me fait rire. La 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 la. Mon code d'erreur, ça va bien vous faire rire. Vous allez voir, mon code d'erreur est drôle, oui. Il est vraiment, vraiment très amusant. Où il est passé, cependant. Voilà, c'est mon code d'erreur. Ça, c'est mon jeu, là. Il est trop bien, mon jeu. L'adore. C'était vraiment le meilleur des jeux. Oui, pourtant dans les commentaires il y avait aucun retour négatif sur le fait que le jeu buguait. Donc j'espère que c'était juste une erreur et que ça va pas m'arriver plus d'une fois. Peut-être que c'est parce que ma manette était connectée, du coup ça fait de la merde, j'en sais rien. C'est quand même un peu embêtant, le NPC voulait vraiment pas parler, vraiment pas. Vraiment non, 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 non. Et pourtant, j'ai installé le jeu, quoi, comme il faut. Legit, quoi. Le jeu est installé. On va voir. On va voir ce qu'on va voir, ce qu'on va voir, ce qu'on va voir. Peut-être que le jeu a pas apprécié que je me moque et que... Clear. Aborte. Aborte. Aborte la mission, là. Oui, oui, oui. Est-ce que ça détecte le jeu ou pas? Oui. La 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 la. Je jouais à la main, au clavier, pour voir si ça... Est-ce que... Bonjour? Là, ça marche! Est-ce que c'est parce que quand je clique avec la manette... Il y a quelque chose entre moi et l'eau, et j'ai presque trébuché! Attendez, j'arrête la musique. Ici, pour recommencer la musique ici... Il n'y a pas de musique de combat. Enfin, de musique de début de combat. On va voir. Presque trébuché. Ah, mais c'est parce que c'est pas un combat. Ah!
Ça par contre j'entends. Je me suis connectée sur demande. Ah, on va te faire foutre. Mais au moins ça a bien sauvegardé, ça a pas menti. Ça, c'est ma souris. Setup. Oh ! Palette. Oh, je peux changer la palette. Oui ! Oh oui, rouge. J'aime bien rouge. Je regarde quand même les autres. Oh, et puis c'est là aussi. Plus. Mais j'aime bien rouge. J'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Border. Oh ! Oh ! J'ai rien dit. Le jeu est trop bien. Ah oui, il y a plein de symboles de kanji. Oui, youpi! Ah, j'arrive! Ah, c'est les feux d'artifice, waouh! C'est sympa, les petits bonhommes. Oh, on dirait le générique de fin, le Stitch! Le Stitch 2! Je garde celui-là. On dirait le générique de fin de Stitch 2. Une de mes... De vrai, je me rappelle le générique de fin de Stitch 2 parce que je regardais Stitch 2 et après j'essayais de dessiner le plus vite possible les petites icônes des personnages de Stitch qui passaient dans le générique de fin. C'était trop bien, je garde celle-là. Allez, hop là. Je suis dans Stitch 2. Oh, parfait. Salut, coucou! Est-ce que tu es en train de jouer à le nouveau arrêt respiratoire jeu maintenant, en ce moment même? Moi aussi! Mais attends, tu n'as jamais bataillé avec qui que ce soit avant? Mais moi non plus! Je viens juste de sélectionner mon premier monstre aujourd'hui! Alors, montre-moi ce que tu veux! Attendez, pourquoi ? Je viens de voir un truc. Attendez. Pourquoi on voit ça qui dépasse ? Pourquoi ça dépasse ? Pourquoi ça dépasse ? Depuis le début, ça dépasse ? Est-ce que c'est vrai ? Non. Pourquoi ça dépasse ? Vous êtes bien bizarre, mon bon monsieur. Attendez, je viens de réaliser un truc. Va falloir que je règle ce problème. Pourquoi ça dépasse ? Pourquoi ça dépasse ? Pourquoi ça dépasse ? C'est quoi cette merde ? J'appuie sur CTRL Z, j'aurais peut-être pas dû, parce que ça fait de la merde d'appuyer sur CTRL Z dans le plein milieu d'un truc. Ah, je pense parce que l'image est plus grande et du coup ça fait de la merde. Mais bref. Bah, du coup la musique... Elle ne s'arrête pas trop brusquement. C'est vraiment super sympa. Ok, c'est bon, c'est réparé. Voilà, et le jeu revient. Voilà. Attendez, voilà. On remarque à peine la loupe. À peine. Discrète. Je vais me bagarrer. Je vais me capturer. Je peux me capturer? Quoi? Mais je peux pas voler les no-monsters. C'est complètement dingue. C'est crazy, crazy. Quelle loupe? Je sais pas. Je sais pas. Non, mais j'ai cru entendre un truc. Mais non, mais c'était une partie de la musique différente. Je vais te beubler. Mizusan utilise bubble. Et moi, il utilise bain. Oh, ça m'a... Ah, ça m'a vraiment fait mal. Je vais utiliser bain de soleil. J'utilise bain de soleil. Utilise le beurre synthétisé. Je vais te bubler, tu vas voir. Hop là. Je te rebuble. Je te double bubble. Je t'en bubble même. Là. J'ai gagné. Coucou, a gagné 88 doches. Mais c'est quoi des doches? Je crois que c'était des hélos. J'ai gagné des doches. Gagné des doches. Comme c'est pas des dollars, c'est des dochards peut-être. J'ai plein de dochards dans ma poche. Vos Elon Musk sont passés à 1012. Wow, tu es vraiment très très fort.
tu devrais continuer, Coucou. Vraiment. Continue de jouer à ce jeu. Si tu gagnes, si tu atteins 1100 Elon Musk, eh ben, tu es sûr de trouver une élite. L'élo, c'est le classement comme aux échecs. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse qu'on classe tout avec des Elon Musk comme ça. Des fruits fraîchement... ils sont fraîchement piqués. Ils sont fraîchement pris. Ils sont fraîchement récoltés. Ils ont l'air délicieux. C'est mon espagnol, il dit quoi ? Les monstres Noomster sont un... Vous pouvez ajuster les couleurs. Ta gueule. Utiliser la capture, utilise du mana. Alors fais attention de ne pas être à court de mana. Les nouveaux monstres sont aussi faciles à attraper avec moins de vie. Super. Est-ce que tu es une dresseuse, toi? Je viens juste t'apprendre qu'il y a quelques secrets qui sont coincés par ici et des secrets par là et par-ci. Je peux pas trouver où. Ah, tu as des idées? Non. Il y a une grosse croix qui m'empêche de passer. Mais nous, on monte ça, en fait, c'est un monde un peu à la Digimon, dans un monde virtuel. Là, on est tous dans un arrêt respiratoire, actuellement. Pourquoi je peux pas passer là? J'ai trouvé un fruit Lulu. Un Lulu fruit. Salut. Il y a quelque chose entre moi. Ah oui, bah oui, mais du coup, c'était le truc que j'ai ramassé. Il y a moyen de courir? Non. Cool. Mais j'ai trouvé le secret. Par contre, Voilà. Je suis désolée, hein, mais la musique me rend trop triste. la musique de ce jeu me fout le bad mood. Ma fille est toujours pleine d'énergie. Je ne sais pas comment tu peux faire avec. Mais je connais ta fille. C'est quoi tes cheveux? Mais c'est Marge Simpson. C'est les cheveux de Marge Simpson, je reconnais. C'est une armoire. Il faut mieux pas regarder à l'intérieur. Il y a écrit quoi? Oka... Sully? Oka Ellie? Oka Ellie! Ah, ça veut dire bienvenue, ça, ou une connerie du genre, non, n'est-ce pas, hein? Route 1, attention, au petit bidou qui se cache dans les buissons! Attention, au petit bidou! Oh! Attendez, arrêtez tout! C'est quoi la musique du jeu? C'est quoi la musique de capture? Allô? Le jeu? Yep. Mais il y en a pas ou c'est parce que j'ai pas réactivé à temps? C'est possible. Mais du coup... Oh là 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 là! Je vais utiliser Bubble! Bubble! Il utilise pincée. Oh non! Bubble! 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 Sunbath, c'est quoi? Info? X? C'est quoi X? Oh! Ah! Ah! Ah, ils sont mignons les icônes. Bubble. Ma... Plus ma... 15... Ma... Quoi? Mizusa nat plus... C'est chiant. Je ne comprends rien. Ne comprends rien. Du coup, je vais me forcer la gueule en espérant que ça marche bien. Je vais te capturer! Je prends toutes tes datas! Excellent! Arrête tout de suite cette musique!
C'était ça la musique du combat que j'ai entendue à la fin. C'était un petit peu triste, encore une musique qui est bien trop triste, trop triste. Oh ! Énorme pigeon qui fait un bruit de pipe ! C'est un Flappy, essayons de le capturer ! Utilise bubble sur Flappy, c'est Flappy Bird ! C'est 0 et 1, t'es capturé, oui, j'ai tout capturé ! Oh merde, je suis sur le point de mourir, mais c'est pas grave ! Allez, Yashiro, vas-y, tu peux le faire ! Je suis un ver de terre avec une corde sur ma tête ainsi que sur mes fesses. Je vais te pincer. J'utilise pincer. Oh non, il utilise Picky Peck. Je vais te pincer à nouveau. J'espère que je vais pas te tuer. Non. Oh non, il utilise Picky Peck. Faut croire qu'un oiseau contre un insecte, contrairement à Pokémon, c'est pas très efficace. Je te capture. Je te capture. Je te capture. Tu es à moi. Tu as été attrapé, mais maintenant il faut que j'aille vite retourner chez ma maman pour me faire soigner. Oh, il y a un petit oiseau là-dessus. Bonjour. Salut mon miel. Allez, je m'occupe de tes Pokémon. La 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 la. Je vais sauvegarder au cas où. Peut-être que je vais enlever la musique de combat. Je vais mettre la musique de la route 201. Ah, ça marche bien. J'ai vraiment bien fait de mettre toutes mes musiques sur Music Bee. Hein. Enfin, une grande partie, là. Ça marche vraiment mieux que de chercher sur YouTube. En plus, la transition est bien mieux. Il y a un léger effet de fading qui fait que c'est bien mieux. Ferme ta grande gueule, je t'ai déjà parlé. Je sais ce que t'as à me dire. Je sais que t'es un enfoiré. Enfoiré, enfoiré, enfoiré. La 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 la. Oh non! Un bagarreux! Attention! Non, pas toi! Attends! C'est quoi, Battle Trainer? Battle Rival, Battle Trainer! Attendez! Il est où, Battle Trainer? Là, voilà! Est-ce que tu savais? Les No Monster Bataille sont des 1v1! Alors fais en sorte que tes premiers Pokémon soient prêts à se battre! C'est parti! La fille de l'hôtel! De l'hôtel sacré. Je vais te bubler. Je te buble. Oh, ça a bien marché. Ça a drôlement bien marché. Oh, ça... oh, par contre, là, ça a moins bien marché. C'était sur moi que ça a fait piper. Tu ne peux rien contre moi, Sobiasobassé. J'ai des bubles. Je te buble. J'ai gagné 83 doches. Et mon Elon Musk est de 1026. Mais c'est dingue. J'ai gagné la bagarre. Est-ce que tu savais? Bah oui. Quoi? Et on peut encore se combattre alors que je viens de te tuer. Est-ce que c'est normal? Je suis pas sûre. Je vais garder la musique de victoire même si je pense que c'est un peu bizarre que je dois refaire le combat. Le combat. Le combat recommence. C'est bizarre un petit peu. Je vais te pincer pour la peine. Je te pince. Du coup, je peux te combattre à l'infini, toi. C'est vraiment à l'infini. Je vais retourner chez ma maman. Je retourne chez ma maman pour me faire soigner. Car sinon, c'est compliqué. Je risque de crever. Oui, c'est compliqué de mourir. C'est, oui, un peu bizarre quand même. C'était là ? Mais il n'y a plus d'oiseaux dessus. Merci. Du coup, quand je coupe la musique, il n'y a plus de sound effect, ce qui est dommage. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir des sound effects, mais pas la musique. Voyons voir ce qu'il y a ici. Il y a une pipe en métal. Mais quelle chance, oui, oui. J'adore les pipes en métal, c'est super. Oh, c'est quoi ce truc que je veux? C'est un petit bidouille avec des yeux. Oui, oui, je le veux, c'est Bagoubi. Les bagouzes. Utilise pincée, c'est pas très efficace. Moi, je vais te bubler, tu vas voir. Oh, ça marche super bien. Je vais te capturer. Bon, attends, je vais être gentil avec le jeu, Je vais être gentil avec le jeu, je vais remettre pour avoir les sound effects et tout. Je vais remettre les musiques. Pour capturer, pour vraiment découvrir le jeu comme il se doit.
Apparemment, tu peux avoir de l'XP bonus quand tu bats le même monstre. Attendez. Déjà, je sauvegarde. Scooby! Je vais aller dans mon pack! Ah, c'est la merde. Tech, setup. Du coup, je peux pas accéder à mes monstres, c'est ça ce que vous me dites? Je peux pas changer l'ordre de mes monstres. J'ai trouvé une PS Vita. J'ai trouvé la chanteuse Vita. J'ai ramassé la chanteuse Vita, j'ai ramassé la PS Vita, quoi? Attention! Les No Monsters sont cool et tu as de cool No Monsters que tu as là. Oui, voilà, mais est-ce qu'ils sont forts? Ah oui, il y a vraiment pas de musique. Ah oui, il y a vraiment pas de musique pour les combats. J'imagine que c'est pas normal. Je vais tabasser, il va voir ce qu'il va voir. Je vais le tuer, je vais switcher avec un Shiro. C'est un Shiro, il est prêt à se bagarrer. Je vais le pincer, il va voir ce qu'il va voir. Il a été complètement pipé, mais je vais continuer à le pincer. Et oui, super, ça marche vraiment bien. Je vais switcher. Flappy, à toi de jouer. Flappy Bird. Piggy Peck. Prime, c'est quoi ça? Ah, j'ai perdu de la vie. Il a gagné. Je comprends pas. Je vais changer de monstre. Bagoubi, à toi de jouer. Bagoubi s'est fait Piggy Pecker. C'est pas grave, il va le pincer, il va le muncher. Munch. Monster Munch-le, ça marche bien. Ah non, il te pique, il peck, ça te fait mal. Monster Munch-le, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. Oh oui, ça fait du bruit. Ah oui, le changement de musique sur la Metal Pipe, là, oui. Extraordinaire. Et si je te reparle, tu vas pas me rebagarrer? Si. Si. Mais c'est quoi ce jeu? Je voulais acheter 4,20€. J'exige la perfection. Oh non, il va me piquer, ça va me tuer. Oh. Oh putain, il est en train de me tuer. Ça, c'est vraiment très embêtant, C'est quoi Prine? Ah, mais ça lui fait regagner de la vie. Avec son mana. Parfois quand on appuie suffisamment en rythme, et bien ça continue d'appuyer, de faire le bruit d'appuyer, alors qu'on n'est pas en train d'appuyer sur le truc. Enfin bref, ça fait bip bip bloup, et j'aime bien. Je l'ai tué? Non. Ça veut dire que c'est super efficace, je crois. J'utilise pincée. Ça a très bien marché. Oui, j'ai gagné. Bah dis donc. Et tu dis bonne damage. Ok. Peut-être que je me soigne. Non. Est-ce que tu savais, mana se reset à chaque bataille, mais ta vie ne se reset pas. Je le savais. Ah, je baille. Oh, il est cool ton sizzle. Il va recevoir ma pipe en métal. Oh, il a un gros feu sur la tête. Fouf, ça fait mal. Munch, peut-être que ça. Ah, c'est pas très efficace. C'est embêtant. Ouh. Vite, utilise Munch. C'est pas très efficace, mais ça le tue. Youpi. Tu as gagné. Coucou. A gagné 46 doches. C'est super. C'est super. Je te reparlerai plus jamais. Maintenant.
Je vais save hein, tout de suite. Hein. Faire que je retourne chez ma maman, parce que sinon c'est triste. Et tous mes monstres vont mourir si je ne retourne pas chez ma maman tout de suite. Est-ce que c'était par là? Je ne sais pas vraiment. Non, non. Salut Navel, coucou à toi. Oh, un ch'ti bidouille. Mais pourquoi ça fait plus la musique maintenant? Run away. Ça fait la musique seulement à la fin, c'est très bizarre. Comment ça va, ça roule? Ça fait ce bruit-là. C'est comme ça que ça va. Je joue à ce jeu de Pokémon Nike, là. Je joue à ce jeu. Il a quelques petits soucis, parfois. Je vais save et je vais quit et je vais voir. C'est un Pokémon Nike, oui, tout à fait. Et comme je l'ai acheté avec de l'argent réel, j'ai de grandes attentes pour ce jeu. Pas beaucoup d'argent réel, mais quand même. Le prix de deux boissons. Donc deux de même. Y'a pas de soucis, il est à 4€, impossible. C'est impossible. Impossible qu'il ait des problèmes. Il est forcément parfait. Donc je le trouve mignon, il a plein de trucs mignons, mais il a quelques soucis. Je vais quit et je vais le relancer pour voir si les musiques se relancent comme il faut pour les trainers et tout ça. Et j'espère que ça va pas... remettre le jeu à zéro. Pas la musique la plus triste de la Terre. La 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 la. Il faut que je rechange mon truc. Ah non, c'est bon. On va voir si ça marche. C'est la route 1. Oh putain, j'ai fait un pas. La la la, il y a un truc qui fait du feu. Je crois. Là, c'est Ghost Rider. Je vais te bubler. Je te buble. Je crois que les micros marchent. En espérant que les musiques des dresseurs marchent également. Je te buble. Il me crache du feu à la tête. C'est mime, c'est très rouge. Oui, on peut changer la palette. Regarde, je vais te montrer. Salut, Mr. Johnny Fox. Salut, bienvenue à toi. Hop là. Regarde, je vais te montrer. Tu vas voir cet oiseau qui dépasse de mon menu à droite, ainsi que la pipe en métal qui est tombée. C'est vraiment... Oh, il s'envole. Mais du coup, l'oiseau est par-dessus votre menu, sachez-le. Je trouve ça mignon. En soi, c'est peut-être pas fait exprès, mais je trouve ça mignon. C'est après, regarde la palette, tu peux changer, tu peux faire du rouge moins rouge. Tu peux faire du bleu très bleu, ou du rose, ou encore un truc original, sympa. Du tout vert pour faire un rappel à la Game Boy. Ou un truc plus terne pour que ça te pète moins les yeux. La palette de base, c'est celle-là, elle est bleu clair, je la trouve triste, on dirait qu'il pleut. Celle-là elle est aussi triste, mais au moins elle est violette. C'est de la lavande, ça sent bon. Celle-là c'est ma préférée parce qu'elle est rouge. Celle-là c'est moins bien parce qu'elle est très terne. On dirait juste que ton écran n'est pas assez lumineux. Celle-là est bien, mais j'aime beaucoup celle-ci aussi. Peut-être que je vais essayer. Mais j'aime bien la Game Boy parce que c'est la Game Boy. Voilà. On peut changer de bordure aussi. Oh, il peut y avoir d'autres bordures de type Lilo Stitch. Est-ce que celle-là est pas encore mieux? Non, celle-là est Lilo Stitch, celle-là est moins Lilo Stitch. Celle-là est Mario Cookie Puzzle mon cul, plus Lilo Stitch. Stitch, celle-là est triste. Et du coup, il y a plein de bordures. Ils sont là, voilà, ils font là, tu littéralement Game Boy. Celle-là, il y a la fille qui flotte, celle-là, la fille qui saute, et le mec qui court. Mais je préfère Lilo Stitch. Le rouge, voilà, on est d'accord. Mais j'hésite à essayer celle-là un petit peu. Je vais juste regarder à quoi ressemble le monde avec... Oh, c'est pas mal, mais... Est-ce que c'est bien? C'est... Allô, la musique? La boucle est très discrète, vous voyez. On se rend à peine compte quand ça commence à boucler, vraiment. C'est très discret. Non, rouge, c'est bien. Oui, rouge, c'est bien. Rouge, c'est vraiment le mieux parce que c'est rouge. Ça fait du bien, un live sur autre chose que Zelda. Bah du coup, je l'ai pas encore acheté Zelda parce que je voulais vraiment finir le premier à fond, 100% avant d'acheter le nouveau et j'ai toujours pas fini. Je l'ai acheté dès que j'ai eu ma Switch, hein, pourtant le premier, et j'ai toujours pas terminé, donc je voulais vraiment terminer avant, donc j'ai même pas préco. Et puis j'ai vu les avantages de précommande étaient nuls.
C'était même pas un steelbook, je crois que c'était les avantages Fnac, en tout cas c'était poster plus sticker de merde, donc poster de merde, poster avec un visuel même pas très intéressant, donc poster que j'aurais jamais accroché nulle part et hein, qui aurait juste encombré mes affaires, plus des stickers nuls, stickers de merde, et puis les ouais, de merde. Tu veux du sticker où? Tu les as eu les stickers? Tu vas les sticker peut-être? Hein? Tu vas les sticker quelque part, ces stickers de merde? Même où t'as vu comme ils sont nuls? Ils sont nuls, t'as quoi? T'as l'épée de légende? Prédécoupée là? Tu as Zelda Artwork numéro 1? Et tu as Link Artwork numéro 1? Ils sont vraiment pas fait chier, ils font vraiment pas chier. Je me sens comme Carlo Tentacule qui regarde ses voix sans s'amuser sans lui, je joue Zelda! Et du coup, pourquoi tu l'as pas pris? Est-ce que parce que manque d'argent ou parce que tu n'as pas le temps? Ou est-ce que peut-être que tu l'as pris mais que tu n'as pas le temps d'y jouer encore? Parce que je vais essayer d'éviter tous les spoils de tout genre pour ce Zelda. Parce que j'ai même pas regardé les trailers, je sais même pas à quoi ressemblent les nouveaux types de gameplay, je sais pas, je sais que c'est très Fortnite tier apparemment, c'est tout ce que j'en sais. Et je veux redécouvrir ça tranquillement. Ça dépend les stickers, il y avait Sidon dedans. C'est qui déjà Sidon? Ah mais oui, Sidon c'est le mec. C'est le mec requin. Il y a même pas Sidon, non, il y avait vraiment juste. Il y avait juste Zelda qui est, je crois, un peu penchée en train de faire haha, et Link qui fait ah ah, et l'épée de légende, et peut-être un gobelin, un beau gobelin, je crois que c'est tout. Alors que moi pour Link's Awakening, il y avait des magnets, déjà c'était mieux, il y avait des magnets, de basse qualité certes, mais des magnets au moins, et avec les sprites du jeu en soi, mais les sprites du jeu étaient comme des petits jouets, donc ça faisait ça rendait bien en merch. Alors que là, franchement, je vais sticker l'épée sur mon tour PC, là, gamers à fond, oh mon dieu, là. Mon dieu, tu la mets, tu vois, vraiment en direction de ton bouton de démarrage pour bien dire c'est ici qu'il faut appuyer pour allumer le jeu. Yachou ! T'inquiète pas, Mémo. Je sais même plus si j'ai lu avec ou sans la faute, mais j'ai même pas remarqué. J'ai tellement pas remarqué ta typo, elle est aussi discrète que la boucle de musique de ce jeu. Il y a Zelda, Link, l'épée, le logo et des petits logos. Oui, voilà, c'est nul! Il y a vraiment juste des logos. Il y a même pas de beau gobelin! C'est juste les logos. Qui veut sticker le logo? Je veux pas sticker un logo, moi! Oh, ennuyeux! Oh, allez, on peut se bagarrer à nouveau. Quoi? Mais non, mais je voulais pas! Et en plus, la musique marche toujours pas! Va te faire foutre, mon jeu à 80! On va faire Gym Leader, tiens, pour changer. Non, la bagarre. Oh là là, il est vraiment très fort, j'ai peur. C'est vraiment pas du tout le même dresseur qu'on a déjà battu une fois. Et du coup, on sait qu'on peut le bagarrer. Enfin bref, je suis fatiguée là. Je crois que je vais crever. Du coup, je change de monstre en essayant de survivre. Je vais survivre. Assurément. Je vais te pincer maintenant, tu vas voir, tu vas mourir maintenant. J'ai rimé maintenant avec maintenant, c'était vraiment très bien, c'était très intelligent. Je vais te pincer! Consommerdo, c'est un parent qui devait me le prendre ce matin et après mes cours, je devais me rendre chez ce dernier pour le récupérer seulement et étrangement, le lieu clair dans lequel il était allé le chercher, il n'avait pas reçu. C'est chelou pour un jeu aussi attendu que ça. Ou peut-être que... Attends, ils avaient reçu ou ils avaient pas reçu aucun Zelda ou ils avaient justement pas reçu assez de Zelda. Parfois ils font des commandes mais pas suffisantes ou ils se loupent. Retour à ça. Il faut que j'aille me faire soigner ou pas là? Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Hop là. Mais oui, parfois c'est peut-être ça. Il n'avait pas reçu, elle attendait ce jour. Eh bah, tristesse. Parfois ça arrive. Je crois que ça m'est arrivé une fois à la Fnac. En fait, je travaille pour Yanako RPG, les vendeurs de No Monster. Tu peux acheter ce jeu à n'importe quel magasin d'arrêt respiratoire. Et pourquoi le dialogue est automatique maintenant? C'est aussi ici que tu pourras interagir avec le jeu pour y jouer. Par exemple, tu peux changer ou soigner des Pokémon. C'est des monstres à n'importe quel moment. On fait un giveaway aujourd'hui. Alors dis-moi si tu le veux. Moi je le veux. Bonjour, bienvenue au sein. Comment on appelle ça déjà? Au sein en éclosion. Bienvenue au Booby Blossom. Bienvenue en salle d'éclosion, bienvenue. À la poitrine en éclosion, merci. Oui. Je vois que tu joues à No Monster toi aussi.
je suis en charge de faire le commencement de ce jeu. Enfin bref, si tu as 4 coupons, on va te donner un cadeau, un prix. Et je vais te donner le coupon numéro 1. J'ai obtenu le coupon numéro 1. Il y a 3 autres coupons à collectionner. S'il te plaît, il faut que tu les trouves tous et que tu reviennes me voir. Sinon, on va pas avoir assez de coupons. C'est quoi ça? Allez, à mon avis, ton magasin de l'air respiratoire. Zelda... je sais même plus ce que c'est... attends, je sais même plus... Tears of the Kingdom, voilà. Oui, c'est complètement Zelda Tears of the Kingdom, là, c'est vraiment ça. En vrai, c'est possible, un petit retard de transport. Oui, voilà. Mais ça veut dire que tu vas bientôt pouvoir y jouer, c'est toujours ça. Et si tu utilises le computer PC et ton vélo dans les magasins d'arrêt respiratoire, tu pourras modifier ta partie. Enfin, plutôt ta liste de Pokémon. Alors, c'est quoi cette merde? C'est qui chez ça? Je peux voir leur tête en fait. J'aimerais voir la... Bon, c'est pas grave. Je vais mettre Bagoubi en premier. Mizusan après. Flappy, tu m'énerves. Yashiro, tu m'énerves un peu, mais je me demande en quoi tu vas évoluer. Sizzle. Qui es-tu? Mais c'est... Là, c'est Ichiro, et là, c'est Yashiro. Bon, Flappy, tu dégages. Ah, il est vraiment pas content. Shiza, c'est juste une petite fille, c'est une poupée de cire, poupée de son. Je vais enlever Sizzle juste pour voir la tête de Shiza. Non mais j'ai même pas vu la tête de Shiza. Moi, je suis... Allez, on va voir. C'est quoi le... c'est le coupon, ça? Ah, c'est le guide de Nyanko. Gna gna gna, restaurer le mana. Shift, mid battle, ok. Il y a plein d'informations sur ton nom, monster, et tout ça. Alors, arrête de me regarder comme ça de face en faisant ce petit son. C'est très angoissant. Et voilà. Et tu es bon à partir maintenant. Et tu es tout propre. Vous avez vu, vous avez une petite tête qui crie à côté... Ah, une petite tête qui crie juste à côté de vous, avez vu? Salut. On peut soigner tes petits gars. Apparemment, elle a vraiment pas vu qu'il y avait une tête qui crie juste à côté d'elle. Mon cœur, je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Oh, cette musique est trop triste. Pas la poupée de cire, mais celle-là. Putain, on est censé être dans une petite ville à découvrir, là, j'ai juste envie de me poser là et de plus bouger de la vie. De rester assis à nourrir les oiseaux et de plus bouger. Rester là, ma femme, et d'espérer qu'un temps meilleur viendra bientôt. Je suis en plein désespoir. Littéralement France Gall, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment envie de bouger mon cul et d'explorer le prochain village, mais je ne suis pas assez fort. Je ne peux que rester dans mon village natal. À cause de ça, je n'ai aucun espoir de gagner plus d'argent. Je suis en grande précarité. À chaque fois, j'essaye d'avoir plus de points de skill, mais les élites, les traîneurs, les dresseurs d'élite me dégagent. Qui êtes-vous? Et bienvenue, allez, please, allez, asseyez-vous, où est-ce que vous voulez, où que c'est vous voulez, vous voulez vous asseoir là, ok. J'ai trouvé un onigiri. Bonjour. Vous savez, l'habitude d'être un restaurant plein de monde qui faisait bzz 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 bzz, mais maintenant regarde ça, il y a des onigiri sur la table, ils sont traînés là depuis 3 jours et quelqu'un les ramasse. Et tout le monde est beaucoup trop occupé à jouer dans ce genre de jeu, à la place d'aller chercher à manger. Oui, tout à fait. J'ai trouvé un onigiri, cette fois-ci il était par terre, c'est encore pire. Oh bah stop et tout! J'ai trouvé un onigiri,
Ouh, j'ai une barbe, je suis donc extrêmement vieux. Même s'il y a des monstres digitaux, je me demande s'ils mangent la même chose que nous. Mais non, connard, ce sont des monstres digitaux. Ils vont pas manger un gratin, ils vont pas manger une ratatouille. C'est une boîte aux lettres, il vaut mieux pas regarder à l'intérieur. Oh, un homme chapeauté. Oh, j'espère que quelqu'un viendrait acheter cette maison. Mais oui, moi je veux l'acheter. D'ailleurs, j'aimerais bien votre tenue. Vous êtes vraiment très cool, monsieur. Oh, un petit bidouille. Oh, Red Bro, Dernito, Cap Noodle. Qu'est-ce que c'est supposé être? Il y a un petit oiseau à la con qui vient de me dire tout ça. Je me demande si ma santé mentale est à son maximum. Ringo a abattu Magma et Ansys, je sais pas ce que c'est. The Wolf Love Fruit. Il a ramassé le Wolf Love Fruit, le fruit de l'amour. Ah, mais c'est parce que c'est une parodie de One Piece, d'accord. Ah, bon sang, j'étais supposé lire ça demain. D'accord. Oh là là, c'était pas propre qu'on dirait que ça a jamais été utilisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Je serai bientôt la plus célèbre dresseuse d'élite quand je serai grande. Oh, petit cœur plus blob. C'est ce qu'il y a écrit sur le mur, hein. Mais la musique! Ça suffit, ça me fait chier, je suis en train de m'endormir, vraiment, vraiment. J'ai entendu que l'élite est dans ce village, que l'élite dans ce village est du même âge que moi, et j'ai 3 ans et demi. Je travaille sur un mode qui pourront t'aider à parler avec des monstres, nouveaux monstres. Mais cela ne marche pas très bien. Oh, tu m'as trouvé, je suis la fille coupon numéro 4. Tu pensais que t'allais ramasser des coupons en papier? Non, nous sommes des filles. Nous sommes juste des filles, en fait. Allez, tiens, prends ça. Et en fait, on attend là toute la journée. Tu as obtenu le coupon numéro 4. C'est quoi ça? Furniture store, ok. Oh, mais c'est le roi! Qu'est-ce que tu regardes? Je vais... oublie ça. J'imagine que tu peux... Tu vas faire face aux élites à chaque 100 points à Elon Musk. Je n'ai jamais atteint 1100 points. Eh ben, tu pues la merde. Bonjour. Tu peux acheter une tapis et des photos. C'est quoi ce magasin? Bonjour. Je vends des tapis et des photos. Les sous-titres marchent plus, hein. Je vais les relancer. Bonjour. Voilà. Tapis et photos. Bonjour, tu peux acheter des plantes et des peluches. Bonjour, tu peux acheter des meubles. D'accord. Mais c'est des dollars, c'est pas des doches. Ils m'ont menti. Petite musique. Hop là. Je peux acheter un énorme boulder, énorme caillou, un caillasse. Oh, et puis même des tapis. Super. Eh ben ça pue. Mon mari travaille tellement que c'en est déprimant. Il a même un ordinateur pour travailler depuis la maison. Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cet homme? Ah, je sais pas, mais il est pas à la maison apparemment. Il n'est pas en train de travailler en ce moment même. Qu'est-ce qu'il fait? Il est nul en plus son computer.
Et tout carré. Tout gros. À l'ancienne. Qui es-tu ? Ici, une poignée de portes de quelqu'un n'est pas visible, ça veut dire que leur maison est probablement fermée. Parce que quand on s'en va de sa maison, on prend sa poignée de porte avec soi. Mais si tu peux la voir, eh bien ça veut dire qu'il ne... ça ne me dérange pas d'avoir des visiteurs. Eh ben c'est super. C'est super. Oh cette musique, j'en ai marre. J'ai craqué, je craque. Celle-là ? Ah putain, c'est mieux ! Au moins, ça donne de l'espoir, ça donne envie de se balader. Ça donne pas envie de crever, oui, parce qu'avant, j'avais envie de mourir. Oui, mais maintenant, j'ai envie de bouger, bouger, m'amuser tout partout dans cette ville qui a plein de trucs à offrir. Oui, c'est sûr, c'est sûr, oui, c'est sûr. Il y a 36 000 choses à faire, comme ramasser ce truc par terre, oui, par terre. Et trouver un révi, qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Je ne sais pas, j'ai plein de trucs dans mon sac est cool. Oui, mais il est plein de trucs complètement inconnus. C'est pour revivre. Très bien. C'est plutôt clair alors. C'est quoi ça ? Téléporteur de la gauche à la droite. League of Down, Blueberry Bay, la maison école. Et l'autre n'est pas encore assigné. C'est pas super, mais c'est téléporteur. Ah, tu m'as trouvé, je suis là. Fille coupon numéro 3. Tiens, tu peux prendre ça. J'ai pris ça, c'est super super sympa. C'est vraiment cool, oui c'est vraiment cool. Ah qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ça pue. Ça pue franchement, oui oui ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais, oui ça sent très très mauvais. J'ai trouvé une vita, c'est vraiment très très sympa. Donc ça veut dire que là je vais me téléporter. Et je ne peux pas me téléporter dans l'autre sens, bien sûr, parce que je pensais que c'était assuré, mais en fait, pas du tout, en fait, je suis foutue. Je sais même plus où je suis, mais je crois que c'était devant chez moi. Oui, c'est chez moi, putain de bordel de merde. Oui, c'est chez moi, putain de bordel de merde. Allez oui, c'est reparti pour faire le même chemin jusqu'à la ville. Allez, ouin, 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 ouin. On va bien s'amuser, c'est vraiment très bien. Je sais même pas si c'était par là ou pas. Ah, je crois qu'il y a un objet. En fait, non, il n'y en a pas. Non, non, non. Non, non, laissez tomber. Bon, bah, bon, voilà, c'était pas bien long finalement, hein. J'ai trouvé une vita par terre ainsi qu'une pipe en métal. C'est vraiment super bien, j'adore les pipes en métal. C'est vraiment mon truc préféré dans la vie, c'est trop super. J'ai trouvé combien de coupons là ? 2, il m'en faut 3. À moins que celui qu'elle m'avait donné compte. Attendez. Ah oh, mais il y a des trucs par ici. Qui êtes-vous ? Oh, j'ai vraiment envie de passer cette barricade, mais mes poings et l'autre masque ne sont pas suffisants. J'aurais bagarré quelqu'un pour pouvoir les augmenter. Tu m'as trouvé, je suis la coupon fille numéro 2. Ah, j'adore, je suis une coupon fille dans un coupon monde. Allez, zou. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Encore un ch'ti bidouille. Il y a une note sur le sol. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Bonjour ma chère, je ne pourrai pas revenir à la maison ce soir à nouveau. Câlin, bisous, kiss kiss. Oh. Mais c'est une note, c'est un papier. Oh, putain, c'est un... Écoutez. Écoutez. Je... Attendez, merde. Je pensais pas que c'était un papier, je pensais que c'était un petit oiseau. Est-ce que vous voyez le petit oiseau comme moi? Parce que moi je vois le petit bec, avec le petit œil, le petit point là.
Après la petite tête et la petite patte sur le bas là, ainsi que les sortes de forme qui ressemble à un corps avec des petites ailes qui font youp, 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 youp. Mais en fait c'est un papier, c'est un bout de papier. Je le vois. Est-ce que tu voyais d'abord un bout de papier ou tu voyais d'abord un oiseau toi? Parce que moi j'ai vraiment vu ça comme si c'était une petite créature. En fait c'était un bout de papier. Du coup, tout à l'heure, je me suis bien fait avoir, je me suis fait arnaquer. D'abord, un bout de papier pour le coup. Ah! Tu as eu l'œil qui a vu la véritable chose que c'était censé être, mais moi j'ai vu un petit oiseau. Très très rigolo, mais je me suis fait avoir, bien avoir. Alors, où est la coupe en fille? Bobby, Bobby Blanson, oui, la poitrine florissante. Eh, hey, tu as été capable de ramasser les 4 coupons, super. Allons en avant et échangeons tes coupons contre une pipe en métal. Et voilà, c'est en plus de ton arrêt respiratoire, de ton équipement d'arrêt respiratoire. Ça te permettra de communiquer avec les serveurs directement. Tu devrais être capable de voir tous ces nouveaux trucs dans tes techs maintenant, dans ton onglet tech. Allez, c'était le prix, enfin c'était le cadeau quoi. Allez, bye bye. Oh, je vais voir ça. Waouh, c'est un new monster desk. En fait, je peux pas maintenir le bouton pour aller tout en bas. Je suis obligé de faire un truc à la fois. Je vais voir combien de monstres il y a. Il y a pas mal de monstres, dis donc, mais il y en a pas mal. Ce super chouette, de ce que je me rappelle, il y en avait plus de 60, mais il y en a même 71. C'est franchement pas mal, oui, c'est pas mal. C'est cool. Oh, c'est mon téléphone. C'est Discord. Ah oui, bah oui, non mais c'est les liens, d'accord. World Map. Fais voir. Oh oui, enfin, ça me permet de me repérer. Super. La 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 la. Ouais, je vais être gentil à nouveau, je vais remettre la musique du jeu. Je regrette presque instantanément. C'est terrible. Mon nom c'est Gouhou. J'ai plein de Elon Musk. Pas mal de Doge, et je jouais 53 minutes. Exactement, mes mots. C'est vraiment le. La 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 la. Hein? Là, je peux juste annihiler mon Mizusan de l'existence? D'accord. La 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 la. Baba bi baba. Donc, ce qui est rigolo, c'est que quand t'appuies sur Tech, ça ne t'ouvre pas ton téléphone, ça t'ouvre. D'abord le Pokédex et après t'es obligé de revenir en arrière et là t'as accès aux autres trucs. Comme la map et autres. Ce qui est un peu haché. Et d'ailleurs pourquoi, quand on ouvre le menu, pourquoi on n'a pas directement le téléphone? Ce serait quand même plus logique. Bah oui. J'ai payé 80€, j'exige l'excellence. J'ai trouvé un lulufruit. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà lu ça. Oh non, esquivez. La 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 la. J'ai pas assez de... Ah mais non, je suis con, mais c'est pour ça qu'on peut se bagarrer plusieurs fois d'affilée contre les mêmes dresseurs. C'est pour obtenir assez de Elon Musk points. Mais c'est un gameplay qui est un petit peu à chier. Enfin, c'est ce que je trouve en tout cas. Je trouve ça pas super. Il est où le Edit Monster? Ah mais il apparaît seulement quand j'aurai un... D'accord, oui, bon. Oui, bon. Je peux pas courir, j'ai cette musique en boucle. Ça me donne encore plus envie de mettre fin à ma vie. Attention! J'ai envie de faire un truc que je vais faire immédiatement tout en vous mettant une musique.
D'ailleurs, je peux mettre, finalement, je peux mettre la musique de Pokémon, mais je peux également mettre la musique parce que je le peux. Est-ce que c'est celle-là? Non, non, attendez. Attendez. La musique, quand je veux. Celle-là? Non, c'est celle-là, voilà, c'est celle-là. Je vais me combattre! Je vais te pincer! Tous les bangers qui sont passés en deux secondes là, oui, tout à fait. C'est parce que j'en cherchais une précise. C'est l'heure de se bagarrer! Vas-y, Bagloubi! Utilise pincée! Non, Bagloubi est mort! Mizu-san! Dégage! Je suis désolé, Mizu-san, mais. Non, attention, Yashiro! Je vais changer de nouveau monster! Ok, c'est Ichiro cette fois-ci! Bah, il est mieux parce que il a ses oreilles. Je vais te digitaliser! Digimon, digitalise-toi, hein! Je vais te digitaliser! Allez hop! Ah oui, 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 oui! T'as gagné la musique! Il y a pas, regardez, il y a celle-là, le Acoustic Como Mix. Je suis dans mon jeu. Ce jeu est plein de bonheur et plein de joie. J'ai envie d'explorer le monde. Mais je sens aussi le lourd poids des responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Je vais revoir ma mère, en espérant avoir des conseils, mais tout ce qu'elle me dit c'est... Salut mon miel, j'espère que tu as du fun avec ton jeu. Et à chaque fois, ça me met dans le mal. Je crois qu'elle ne comprend pas ce que je suis en train de vivre. Elle me soigne, mais elle ne soigne que mes blessures apparentes, pas les blessures de mon cœur. Je m'en vais. J'espère trouver mieux autre part, plus loin. Où ça d'ailleurs? Où est-ce que je suis, putain? Laissez-moi regarder ma map. Je suis là. Mais je sais pas vraiment si je suis là. Je suis entre deux vies, là. Ça me représente bien, plus finalement, ouais. Ça va bien avec moi. Je combat avec cette musique, j'en ai rien à foutre. Vas-y, Bagloubi! Prouve au monde ce que tu vaux! Après ta réflexion intense, dans ta lettre lâchée, ta corosée, dans ta lettre lâchée. Oh là là. Oh là là, l'Ouest est derrière, quoi, putain de bordel de merde. C'est tellement... J'aime beaucoup l'OST de Soul Eater, mais je trouve que celle derrière est encore plus marquante. Hein. Bah, après, je préfère Soul Eater en termes d'animé, mais... Oh là, ah, ça commence à cowboyer, mais vraiment à fond, là. Je m'en vais. Je m'en vais de cet endroit. Je vais combattre ce mec-là. Time to break the chain! Oui, c'est parti, quoi! Je vais briser les chaînes qui m'empêchent de m'envoler. De m'envoler vers le ciel. Tel un oiseau. Je vais le faire avec mes rollers, moi et mes rollers. On ira partout. On est capable de tout. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de m'envoler. Avec mes rollers, hein, par contre, hein. Toujours. Hein. Les ailes de mes rollers. Elles sont très très puissantes. Hein. Comment ça, les ailes de tes rollers? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous comprendrez pas si vous avez pas vu Erguir. Y'a que mes mots qui captent, là. Là, y'a que mes mots qui captent. Mes mots à tout capter. J'ai combien de Elon Musk points, là? J'en ai 1100 tout pile. Allez, c'est parti. Je vais changer de musique. C'est quoi celle-là?
Ah, celle-là est marrante. J'espère qu'elles sont pas copyrightées parce que sinon, bah, c'est dommage. C'est un autre type de scrunchly music, celle-là. C'est toi qui... Ah ouais, tu as monté de niveau super vite. Ne pense pas que ça va te rendre fort. Je vais te tabasser. Attends, c'était quoi ce sprite super edgy de mon cul, là? Je vais te babler. Waouh. Je te bable, normalement ça te tue. Je vais switch. Vas-y Yashiro, tu peux le faire. Ah non, tu t'es pris un plein de feu sur la tête, mais c'est pas très grave, tu peux le pincer. Pince-le. Super. T'es presque décédé. Du coup, je vais switcher. Vite, digitalise-le. Tu peux le faire. Ah oui, ça a bien marché. Vite, digitalise. Vas-y, Shiro. Je crois plus en toi, mais... Maintenant, je crois en toi, maintenant que t'es mort. T'inquiète pas. Mizusan, vas-y, bubble. Bubble à fond, bubble à fond. Bubble, bubble plus. Oh non, je suis morte. Vas-y, Yashiro, sun bath. Ça te soigne, ça, non? Ah, pas beaucoup, hein. Ah oui, pas beaucoup. Shisa, allez, poupée de cire, poupée de son. Utilise petites étoiles. Ah oui, c'est vraiment pas très efficace. Ah! Vas-y, utilise télé. Lance-lui ta télé dessus. Ça va marcher. Ça a marché. Merde. Oh, ça m'a ramené chez moi. Quoi. Eh ben, il va falloir que je remarche jusqu'à la ville. Je vais trouver une autre OST. C'est quoi celle-là déjà? C'est l'OST de moi qui est perdu à ma bagarre. Je suis très triste. Du coup, je remarche. Merde, j'ai marché dans l'herbe. Yeah. Check it out. Regarde mon petit bidou, il a des yeux. Il est en train de flopper. De toute façon, on va s'en aller. Allez, bye bye. Bagoubi, bye bye. Est-ce que j'ai perdu des Elon Musk points? Check it out. Non. Eh bah, on va rebagarrer. Yeah. Du coup, là, toute ma partie est en pleine forme. Donc je peux y aller. Franco. Je vais vérifier si la musique ne marche pas. La musique marche! Attendez, stop et tout! Énorme. Munch, vas-y! Il utilise pincée! Ça me fait pas peur. J'utilise pincée aussi. J'aurais dû utiliser munch, merde. Utilise burst. Oh, ça me fait peur. J'utilise munch. Comme ça je le tue, je récupère de la vie. Ah, j'ai monté niveau 9. 9. Vas-y, utilise munch. C'est pas très efficace. Oh, bah, c'est quand même pas mal. C'est pas grave, je vais prendre Mizusan.
Miyusen, toi ton grand sourire, utilise pipe en métal. Miyusen, ça t'a pris la moitié de ton énergie presque. Utilise vite ton eau. Implosion. Ça récupère de la vie, c'est quoi ces conneries? Dégage. Crache du feu dessus, ça me fait des dégâts, je suis de l'eau, c'est pas normal. Crache feu dessus. Feu le dieu. Je vais te muncher, tu vas voir. Ça le tue ou pas? Oui, tout à fait. Y'a Shiro. Je vais te muncher. Pas très efficace. Normalement, je résiste à une attaque de plus. J'ai rien dit. C'était un mensonge. Je vais te pincer. Je te pince. Oh non, il se soigne, ce salaud. Je te pince. Oh non, il se soigne. Je te pince. Oh non, il se soigne. Eh ben, je te pince. Il me pince cette fois-ci, il me pince. Alerte, il m'a pincé. Ben, je le pince et il va mourir. Et j'ai gagné. J'ai gagné 5 points. Tu es plutôt doué pour être capable de me battre, mais je serai bientôt plus fort aussi. Eh ben rien à foutre. Oh, j'ai mon petit bidou qui me suit. C'est super. Où est-ce que je peux me soigner ici déjà? Parce que tout se ressemble. Tout se ressemble. Du coup, je sais pas. Où je peux aller pour me soigner? Est-ce que c'est ici? Oui! Et voilà, tout est bon! Je vais changer l'or. Je vais garder ceux-là, ils sont sympas. J'ai envie de voir en quoi Yashiro évolue. Je vais mettre Yashiro en premier du coup. Skibidou! On peut pas courir par contre? Oh là, Yashiro qui ressemble à... Bah, mon iguane! Iguane du jeu auquel on a joué juste avant, là. Excellent, n'est-ce pas? Juste à propos. Attention, beaucoup de dresseurs devant vous, les No Monsters, les joueurs de No Monsters, il faut venir préparer. D'accord, je sauvegarde. Il y a un dresseur. J'essaie d'écouter les No Monsters sauvages. La musique remarche. Super, c'est super sympa. Pour une fois que la musique marche bien. Ouais, toujours un petit peu à chier, mais... Au moins, elle est là. Donc ça me fait plaisir. Allez, Miyusen. Est-ce qu'il gagne de l'XP seulement s'il tue? Ça pendant que tout le monde joue à Pokémon Fusion Extreme là, qui est en fait très rigolo. Ça c'est peut-être un peu moins drôle, mais ça m'intriguait. J'ai pas envie de trop cracher sur le jeu parce qu'il est quand même il est quand même mignon. Et en plus il est un peu là pour tester le... Merde, mon Magumi est mort. Pour tester le Game Engine Maker là, que la personne qui a fait ce jeu a créé. Qui permet de créer assez facilement des... Tout à fait, des Pokémon-like. Donc ce qui est intéressant. C'est intéressant. Mais voilà. Après là, du coup, l'autre jeu, la Dokimon, là, non, j'ai failli tester la démo tout à l'heure parce que je me suis trompée. Bah on pourra faire la démo pour voir la différence, mais du coup c'est plus moderne. Là, celui-là, je sais plus quand est-ce que cette personne-là l'a fait, ce jeu-là. C'est il y a quelques années, du coup. Donc ils ont l'air de... Cette personne a l'air de s'être améliorée. Mais moi j'aime bien les Pokémon like. Hein. Là c'est vraiment juste la musique qui me fout dans le bal et en fait... Comme
comme le gameplay de Pokémon est très répétitif, bah que la musique... Oh là là, j'ai plus qu'un petit chouïa, un petit pétou de vie là. Comme la musique est vraiment pas super, hein. Bah c'est... ça motive pas pour pouvoir continuer le jeu en fait. C'est simplement ça. Mizu-san est mort. La musique est pas trop forte. Hein. J'ai l'impression parce que dans le jeu en général elle est pas trop forte, mais là... Ah merde. Ah merde, je vais peut-être mourir. Non mais je suis pas... Ça m'a fait chier. Je me suis fait déglinguer. La 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 la. Oh papa, 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 Flappy Bird, fais déglinguer. Vite, pense-le, Yashiro. Yashiro. Flappy Bird, t'as pique-péqué, t'inquiète pas, pense-le. Oh non, il burst! Pince-le à nouveau! C'est tout ce que tu peux faire de toute façon! Pince-le! Pince! Ça a marché! Avec de la détermination, ça fonctionne! C'est où la suite? C'est par là, non? Oui! Je suis coincé. On va retenter le tout pour le tout pour le tout. Voyons voir. J'aurais peut-être pu m'entraîner avec des... Ah mais pourquoi ça marche plus la musique? Bon bah c'est reparti. Je vais te latter la gueule, tu vas voir. Déjà je vais commencer par te pincer. Je te pince! Tu me pinces par la barbichette! Le premier de nous deux qui pincera sera une. De quoi? Ah bah non, c'est pas sera une tapette, sera. Aura une tapette! Sinon ça n'a pas le même sens! Et c'est très homophobe! Donc non! Da 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 da! Da 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 da! Je vais te meubler, tu vas voir. Je vais mettre fin à sa bulle. Voilà. Et Mizu-san est niveau 7. Et maintenant, il y a la musique qui revient. C'est dingue. Il suffit que j'évolue. Il faut que j'évolue pour que j'ai le droit d'entendre la musique, en fait. Je te buble. Je suis sur un piano et j'essaye de faire une musique un petit peu entraînante, mais je n'y arrive pas très bien. Enfin, je sais bien, je fais ce que je peux, mais du coup, je sais pas très bien faire de la musique et du coup, je fais ce que je peux. J'essaye de m'ambiancer, hein, mais c'est dur. c'est dur de m'ambiancer sur cette musique. C'est vraiment cette partie-là que... Qui sait pas où elle veut aller. Tu l'as. Y a pas d'émotion précise qui ressort de cette musique, c'est ça qui est assez dingue. Ah putain, mais niveau 15, mais j'avais pas vu. Je vais essayer de le muncher, mais ça va être dur, quoi. Oh, oh merde.
Peut-être que je vais mourir là et que ce sera vraiment très terrible si je me soigne et ce que je continue à vivre, pas vraiment. Du coup, je vais le passer. Ah bah merde, hein. Ah bah merde, je vais peut-être mourir à nouveau, super. Halte force! Youpi, je vais mourir à nouveau et recommencer depuis le début. J'ai hâte. Envie de me foutre en l'air. Envie de tout lâcher. C'est parti, Yajiro. C'est pas grave si on est mort 5 fois. Tu es mon iguane préféré. Ah, Flappy Bird. Encore toi. Je vais mettre fin à ta vie. En un tour de pince. Ah non, en 3 tours de pince. Merde. Bon bah tant pis pour toi. Pince-le, Yashiro. Pince-le plus fort, Yashiro. Super. Bon, cette fois-ci, je vais un petit peu monter de niveau. La 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 la. La la la. La 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 la. J'ai encore le nez pris, moi. Excusez-moi, je prends mon nez. Oh, un combat. Oh, y a minuit. Bonjour. Tu m'as enlevé beaucoup de points de vie, ça fait vraiment très 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 mal. Du coup, j'envoie un autre animal. Est-ce que je peux te capturer avec ça? Ou est-ce que tu me tueras immédiatement? Come on! Re-salut, Naïvul. Bon bah je vais essayer de te faire des dégâts avec ma pipe en métal avant que tu ne me tues. Oh bah il m'a pipé en métal de retour. Ça fait très mal, je vais affronter une légion d'honneur. C'est vrai qu'on dirait une légion d'honneur, t'as raison. Terrible ça. Je vais essayer de le capturer, mais est-ce que j'en suis capable? Je ne sais pas. Magoubi! Munch-le! Ah bah dis donc. Si j'essaie de te capturer maintenant. Tu es à moi, Magoubi! Utilise capture! Ça a marché, j'en reviens pas! C'est super! Arrêtez cette musique maintenant! Vite, je vais vous soigner! J'ai attrapé une légion d'honneur! J'y crois pas, je vais recevoir plein d'argent maintenant! C'est super! Pourquoi je peux pas courir? J'ai les jambes trop fragiles, ça commence à m'agacer! Ah, c'est pas là! C'est là! C'est parti! Viens Yashiro, mon ami de toujours. Ton visage sera ma pèse. Et temps de combattre, un boostifleur. Et y'a plus de musique à nouveau, alors on va mettre Put Too Much. Oh putain, c'est Persona 5 là. Ah oh, ouais, carrément. Oh la police, attention, cachez-vous. C'est Rapplesia un petit peu. Non mais ça y est, mais moi je me suis trop hypé, il faut... Déjà, ça m'est tombé sur la tête, mais il faut vraiment qu'on regarde. Je sais pas quand est-ce que t'es dispo ou quand est-ce que tu veux regarder l'animé, mais tu me dis et on le regarde en fait.
Les léchants comme disent les jeunes. Ah oui, il est complètement changé. Qu'est-ce que je raconte? Tu racontes ce que tu veux, Devil. Tu as bien le droit de dire léchant. Tu as bien le droit. Utilise petite brillance. Hop, moi, après ton live, on en reparle. Mmh, super. All around the world. Put your hands up, put your hands up. L'ennemi dandy. C'est vrai que c'est un ennemi dandy. Je veux capturer. Tu es à moi, Yashiro, utilise capture. Enfin, Ichiro, pardon, c'est pas du tout le même. Voilà. Super. Il va falloir que je me soigne à nouveau parce que du coup à chaque fois eh ben, vous mourrez et du coup vous gagnez aucune XP du coup. C'est vraiment très triste. Du coup j'ai le choix entre niveau 15 ou niveau 3 dans la nature. C'est vraiment bien, vraiment bien équilibré. Soignez-moi madame. Qui n'est pas du tout un rip-off dans le... de l'infirmière Joël, non pas du tout. Et voilà, vous êtes tout propre. Super. Alors ceux-là, ils sont niveau combien? Ils sont niveau 3? Niveau 4? Y'a pas de musée! Le début de cette musique, qui me fait toujours penser à l'intro de je sais plus quel JT français, là. Réécoutez-moi ça et dites-moi. On dirait pas le JT de je sais plus quelle heure, le 20h ou je sais plus, je sais plus si c'est sur TF1, je sais plus lequel, c'est ça le problème, mais c'est vraiment l'intro du JT. Si tu mets ça en intro de JT, ça passe. Et après, ouïa. Ça, ce truc là, vous m'avez déjà entendu le faire. Le patch, come on. J'ai déjà fait juste parce que je pouvais le faire. J'y pense tellement tout le temps. C'est juste trop fun. Mais bref, je mets une musique. Hein. Parce qu'il n'y a pas de musique dans le jeu. Pour le combat là. Bah il est mort. Mais du coup la musique était pas bien longue. C'est super. La 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 la. La 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 la. Y'a plus de musique. Bon, j'en ai marre. Comme je vais farmer, je vais mettre la même musique Pokémon en boucle. Et ce sera la musique du rival. Elle est où? La musique du rival. Nya 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 nya. Elle est où? Attendez, je me sais. Dabadi, oui, wahoo, dabadi, houha. Enfin, je laisse celle-là, elle est trop bien. Je vais te pincer. Je sais pas combien de temps je vais jouer à ce jeu. Hein. Pour l'instant, j'y joue de manière très mécanique. Je suis toujours un peu curieuse. Peut-être que j'insiste parce que j'ai payé d'argent réel pour ce jeu, du coup j'insiste. Alors qu'en fait, eh ben, j'ai pas tant envie d'insister que ça. Donc c'est un peu embêtant en soi. Je jouais à Zelda, mais moi n'ai pas Zelda. Et toi non plus. Du coup, on est là. Toi, tu regardes New Monster et moi, je joue à New Monster. Peut-être que tu fais autre chose en même temps, peut-être que tu joues à un autre truc ou que tu fais d'autres trucs en même temps. Mais en tout cas, il y a New Monster dans ton existence. Dans ton monde actuellement, il est là. Là, we have nos Zelda, exactement, mais on a des Piper Metal, donc c'est pas mal quand même. J'ai changé l'ordre de ma partie. En fait, ça, dès que j'appuie sur ce truc, c'est double clic, enfin, c'est bizarre. Ce jeu, c'est presque pareil que celle-là. Oui, parce qu'en fait, tu peux te balader dans un monde. Du coup, pour moi, c'est franchement pas différent.
la 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 la. Je mets Mizusan en premier un petit peu. Oh mon dieu, mais quelle... Je sais pas si j'ai bien fait de point. Les starters sont à chier, hein. Les starters c'est soit goutte d'eau, soit goutte de feu, soit goutte de plante. Donc bon. J'espère que ma goutte d'eau pétillante naturellement gazeuse va évoluer en quelque chose d'intéressant. J'espère qu'ils évoluent. Je sais même pas s'ils évoluent, hein. Ça se trouve ils évoluent même pas. La la, choubili, la 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 la. Da di di da, ba di da 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 da. J'espère qu'il évolue en Perrier. Mais non, mais il évolue en Badois. C'est un must. S'il évolue en Sampé, c'est déjà ça, mais bon. Enfin, je jouais à Puzzle Dragon, Dragon Quest pour jouer à des slimes, si tu veux mon avis, c'est vrai. En plus, c'est même pas vraiment un slime, parce que du coup, c'est vraiment une goutte d'eau qui flotte. C'est comme si t'avais pris une goutte de pluie, mais que tu l'avais laissée en suspension. C'est même pas du slime. Je vais refaire un combat de dresseur pour voir si... Hein. Ça me donne plus de points... Points de points, de points, de points... Niveau 15! Ça va augmenter le niveau de tout le monde, peut-être que je devrais... partir? Non, je peux pas? Super. C'est super, oui, c'est super. C'est vraiment rassurant. Je vais mourir immédiatement. Ce sera super. Piki Peck dans ma face, génial, super. Va voyager au niveau 5! J'y crois à fond! On voit qu'il y a, qu'un seul niveau 5. 15, du coup, peut-être que... Enfin, bon. J'ai des doutes quand même. Munch, vas-y! Mange-le! Sous? Munch! Tu peux le faire! Prine, c'est quoi? C'est pour se soigner, ça? Je sais pas, oui. Sous? Je disais pincer, merde! Ça fait vraiment de la merde! Oh non! Oh, je regrette tout dans la vie. Pense-le vite! Oh là, ça va. Ça va vraiment pas aller. Sous? Allez, poupée de son. Utilise des petites étoiles! Tu es morte. Ah non, même pas! Oh, utilise des petites étoiles, mais plus fort! Wow! Super. Oh, j'ai flake niveau 15! Pourquoi j'ai flake dans ma... Pourquoi j'ai flake dans mon équipe? Je l'ai jamais mis là-dedans. Quelle est cette merde, franchement? Sub 0. C'est quoi? Oh! Waouh! J'ai gagné plein de points! Youpi! Expliquez-moi pourquoi j'ai lui dans mon équipe. Hein. Je l'ai jamais posé là. À moins qu'il me manquait une place et j'avais pas fait attention. Attendez, je vais regarder ça. Oui, c'est sûrement ça, c'est qu'il me manquait une place et j'avais pas fait attention. Et bah voilà donc, c'est rigolo. Bon bah je le garde au cas où, parce qu'il est fort quand même. Je l'avais pas avant. Il s'est mis tout seul. C'est bizarre. Oh! C'est mieux qu'il s'est cutie. Nekobi! Je te capture direct, j'ai trop peur de te tuer. Nekobi, c'est un petit chat. Tears of the Kingdom looks weird. Salut Nyandere, bienvenue à toi en effet. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est le futur du jeu vidéo. Ça t'inquiète pas que c'est le futur du jeu. Quoi, je l'ai pas attrapé? Je vais switch avec un new monster. Moins fort. Regardez, chat contre chat. Ça fait chat, chat. Je vais te digitiser. En espérant ne pas te tuer. Oh, yes! Oh non, il sharpen! Attends, il a des mécaniques où il peut sharpen, mais c'est super! Et là, si tu te demandes, Nyandere, il n'y a pas la musique du jeu, parce que je suis un peu en train d'entraîner mes monstres, et le problème, c'est que c'est un jeu itch.io, hein, donc parfois, il y a quelques petits bugs par-ci par-là, et du coup... Malheureusement, pendant les combats, parfois la musique n'existe pas, donc c'est un peu triste, donc je mets une musique en boucle. Musique de Pokémon Diamond et Pearl, en l'occurrence. Ichiro, c'est pas la sous-évolution de celui que tu viens de capturer, c'est possible. Mais du coup, mon Ichiro est niveau plus élevé que le petit chat machin, donc je vais garder Ichiro, et en plus je trouve son design mieux. Du coup, si... je sais pas si... Enfin bref. Enfin, je sais pas.
parce que Chiron est... Ah non mais cette fois-ci il est niveau 7, mais merde. Tu le Mizusa. Tu peux le faire. Tu peux l'assassiner avec la force de ta volonté. Tu peux le faire, oui vraiment tu peux le faire. Je crois en toi. Tu as une force d'enfer, oui. Du coup, ils évoluent pas pour l'instant, mais nous, Monster, je suis triste. Je veux qu'ils montent de niveau. Ah bah, Goopy ! Je vais te bubler, parce que je ne peux faire que ça de toute façon. Je te buble. Voyons voir combien d'XP ça me fait monter. Bah, pas beaucoup. Ce que je peux faire par contre, et ce que je vais peut-être faire, je vais reprendre l'autre simili-Rafflesia là. Je vais le mettre à la place de Shisa, coupé de cire, coupé de son. Et comme ça... Malheureusement, il n'y a que celui. Il n'y a que celui en cours qui évolue. J'ai envie de faire un test. Je vais faire un test. Donc je me rappelle... le taux d'XP de Mizusan. Je vais aller dans la zone à nous, monster plus puissant. La 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 la. Je fais croire qu'il est moyen. Ah non, il est moyen. Il fait croire la vérité du coup. Il a pas menti. Oh, Blooby. C'est l'évolution de mon Mizusan, ça va spoiler. C'est bon. C'est sûrement ça, non? Enfin, j'imagine. Enfin, ça a l'air. Si c'est pas le cas, bah tant pis. Du coup, là, vous voyez ma barre d'XP? Ouais, apparemment, oui. Vous avez répondu, donc oui. Du coup, avec Flake, je vais le tuer et je vais voir si la barre d'XP de Mizusan augmente. Sub zéro. Ah j'ai pu. On va voir si ça suffit. Oui. Donc lui il a gagné des XP. Mais alors est-ce que Mizusan en gagne? On va voir ça tout de suite avec un prochain combat. Voyons voir. Non. Du coup, pour gagner de l'XP, il faut vraiment le gagner avec le Pokémon qui tue. C'est le Pokémon qui tue qui gagne l'XP, donc c'est très long. Il n'y a pas de partage d'expérience du tout, même entre les Pokémon qui passent. Les Pokémon, enfin, vous me comprenez, quoi. Vous ne savez pas quoi dire. Imaginez que j'ai dit un truc. Loramipsou. C'est vrai. Tu as dit un truc, un serré truc. Pas d'assistana ici. Mais oui, mais en dehors de... comment ça s'appelle hein? Du XP cher là. En dehors de l'objet qui permet de partager l'XP en fin de. Par exemple, si tu mets en tout premier ton Pokémon surpuissant qui tue tout le monde en gagne quand même à cause de l'XP cher. Mais le fait de faire passer un Pokémon dans la bagarre, normalement ça suffit à ce qu'il gagne des points d'XP depuis tout plein de générations et ça c'est cool! Multi-XP, merci. Et là, non. Du coup, c'est moins cool. Tadadi, poui poui, la la la, oh la 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 la. Oh la 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 la, Sub-Zero, la 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 la, Freeze peut-être. Freeze, t'es vibré. Ah, ça a bien marché. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais capturer les nouveaux monsters de niveau plus élevé, parce que c'est beaucoup moins long. Et après, je vais faire comme ça. Mais du coup, c'est moins drôle. Mais sinon, c'est trop long. Et bosser les créatures, allez hop là. Besoin d'assister, Harry. Je me rappelle de toi qui disais que tu aimais bien le grind dans Pokémon. Oui, dans Pokémon. Pas dans nous, monsters, où la musique marche pas.
C'est pas la même chose. J'aime pas le grind dans tous les jeux. Celui-là, il est pas assez équilibré pour que j'aime le grind. Les zones sont pas rigolotes pour grinder. Salut Doudel. Just popping in before I walk, I hope the stream goes well for you. Oui. Hello Doudlé. Look Doudloué. Oui, Boubi Boué. Yes. Yes. You saw Boobie Blossom, Doudel. It's the name of the city. I don't know why. It's the fucking name of the fucking city, Boobie Blossom. Bienvenue à Poitrine Fleurissante. Si je dis Poitrine Fleurissante, est-ce que ça traduit bien? Flowing Breast, peut-être les seins florissants. Non mais les seins, les nichons florissants. Flourishing Nipples, c'est encore pire du coup. Ah, super. Pourquoi tu te fais souffrir? Parce que je veux quand même voir le jeu et je vais payer 4,20€ mon jeu, alors je vais le terminer, moi je te le dis. C'est un peu limite. Oui, bah écoute, c'est le nom de la ville. J'y peux rien, j'essaie juste de la traduire. Éclosion, peut-être. Bah oui, mais c'est pas une éclosion, sinon ce serait lié à un œuf. Là, c'est vraiment lié aux fleurs, tu vois, c'est Blossom. Donc c'est la floraison. De la floraison poitrinesque, j'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est censé vouloir représenter, quoi, comme Boobie Blossom, quoi. Putain de bordel de merde. C'est horrible, les captures, tu les transformes en 0 et 1, tu les atomises littéralement. Mais je crois qu'en fait, ce sont déjà des 0 et 1. Et 1, là, c'est juste que tu les décodes, en fait. C'est plus proche des... leur existence est plus proche des Digimon que des Pokémon. C'est vraiment des petits êtres virtuels. Alors que les Pokémon, c'est des êtres concrets dans le monde. Ce sont des véritables petits êtres. Véritables. Tout à fait. Tu transformes en fichier ici, puis c'est vrai, je les compresse. T'as raison, je les compresse complètement. C'est Mineraflesia! Je crois qu'il est temps de changer de musique! C'est la route 203 maintenant! C'est complètement différent! C'est le lore, oui! Oh non, mais Mizusan, tu vas à nouveau pas pouvoir le tuer, putain de bordel de merde! Dégage de là! Si tu dégages de là, attends! Tu pourras t'en sortir vivant, ne pas avoir à revoir l'infirmière Joël qui fait très peur et qui te regarde en face et qui veut ta mort. Oui, elle veut ta mort. Le lore de No Man's Sword, oui, tout à fait, Naïve, là. Tout à fait. Tu les décryptes, oui. Je regarde à la loupe. Je vais mourir à la prochaine attaque. Putain de bordel de merde. Putain de bordel de merde. C'est toi, Hugo. Hugo décrypte. Imaginez Hugo décrypte, mais c'est vraiment juste un vieux monsieur qui vit dans une crypte et qui fait voyageur, n'approchez pas plus. Ne faites pas un pas de plus. Vous croque et je vous crypte. Oh non, c'est Hugo la crypte, il va nous croquer, nous crypter. Ah, terrible. Hugo la crypte donne ta première quête, oui. Oh, le voyageur, serez-vous capable de crypter? C'est bon, on serait pour moi. C'est-à-dire crypter? Oui, Hugo la crypte. J'essaie de crypter, ça veut rien dire. Tabassez-les, revenez me voir. Un influenceur cimetière, oui. La 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 la. Mais c'est juste pour un fun fact parce que j'ai envie de le placer. Hugo décrypte. Ça crypte pas très fort. Hein. Ça décrypte pas très fort chez Hugo décrypte. Hein. Si vous voulez mon humble avis, allez voir ailleurs hein, si vous voulez vraiment décrypter des trucs. Lui, il est là pour créer son entreprise. Et faire des placements financiers intéressants. Et pas pour décrypter très très fort. Ça décrypte un peu, quoi. Allez voir ailleurs. Vous aurez de meilleures infos plus facilement. Allez voir les classiques, quoi. Mediapart Mediapart Blast. Et vous avez 100 fois mieux, quoi. J'avais rien vu de cette personne. J'avais rien vu, mais après j'ai entendu parler. Je me suis dit, mais c'est-à-dire. Je pensais qu'il était dans l'électronique, du coup. Je pensais qu'il décryptait. Il décrypte l'informatique. Mais en fait, il décrypte
la politique, je me disais, mais, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il fait, quel est son but, et en fait, tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu derrière ces procédures, c'est un truc très... oui, voilà. C'est un truc très entreprise, entrepreneurial tiers. Et il est surtout là pour pouvoir se placer en tant qu'entrepreneur. Salut à tous, jeune entrepreneur, il est un peu là comme ça. Et je trouve que la volonté finalement de travail journalistique n'est pas très puissante comparée à sa volonté d'être un entrepreneur. Peut-être qu'elle est là, hein. J'ai pas vu suffisamment de ce qu'il a fait pour voir la dose. Mais ça décrypte pas très fort. Il engage des gens pour pouvoir créer du contenu facile à absorber. Mais du coup, qui donne très peu d'informations concrètes. C'est très frustrant, quoi. Ça fait vraiment... Ça politise pas très fort, je trouve, voilà. Ça politise pas assez fort. Faut politiser plus fort. Lui, son but, c'est pas de politiser fort, c'est de placer son truc. Un peu pré-mâché, qui est facile à absorber. Et quand c'est facile à absorber, ça politise pas fort. Le meilleur tombe de ta région. Putain, c'est vrai. La seule chose que je sais, c'est qu'il décrypte. Mais encore, même ça, c'est faux. Parce que je l'ai vu, il décrypte très mal. Mais il décrypte vraiment pas très bien, quoi. Donc les infos, pour les personnes qui sont pas très politisées et qui peuvent avoir du mal à cerner les infos comme ça, qui se disent, bah du coup ça va décrypter, ça va me permettre de mieux les comprendre et de mieux savoir ce qui tourne par rond dans la société actuelle et éventuellement de mieux savoir comment réagir. Bah non, tout ce qu'il dit c'est, bah il s'est passé ça et en plus il utilise de mauvais termes souvent, qui, par exemple en disant, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit à un moment en plus, ça faisait trop longtemps mais du coup je sais plus mais... Il utilise des termes, par exemple un député qui a fait telle chose, et en fait c'était autre chose qu'il avait fait, il avait pas voté pour le truc, il avait contrecarré le truc, j'en sais rien, un truc qui voulait dire l'inverse. Et du coup c'était du mauvais décryptage, c'est juste que c'était fait vite fait, il fait des trucs à la suite, c'est à la chaîne ce qu'il fait. Son travail journalistique c'est à la chaîne. Donc c'est juste tap 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 tap, hop là, plap, là, je fournis un truc vite fait, pré-mâché. Et comme ça, bam, c'est pas très grave s'il y a quelques erreurs qui font que le sens est complètement contraire, tant pis, hop là, c'est placé. Donc il décrypte que dalle. Tu peux donner des infos sans politiser. Non mais je veux dire, quand je veux dire politiser, c'est vrai que tu peux donner des infos sans politiser, mais lui, il donne des infos pas très fort. C'est-à-dire, il les donne pas très très... il les donne pas beaucoup, les infos. Puisqu'il les donne de travers. Mais c'est vrai qu'on peut donner des infos sans politiser. C'est juste que son angle journalistique, normalement, même quand tu donnes n'importe quel journal, a un angle journalistique qui est un peu plus axé gauche, axé droite. Lui, c'est un angle journalistique qui m'intéresse tellement peu. Et qui, je trouve, est très peu intéressant avec ce qui se passe actuellement. Ça permet très mal de comprendre ce qui se passe. Mais encore une fois, je bitch et je connais qu'à peine. Hein. Mais... Je me méfie toujours des mecs qui sont plus en format entrepreneurial qu'en format partage d'informations. Son but, c'est pas d'éveiller en soi les gens à la politique, c'est... Éveiller, c'est peut-être un terme un peu bizarre. Hein. De partager la politique et de la rendre plus facile d'accès, mais c'est surtout de trouver... un point pour se faire du fric. Et il a trouvé le point où il pouvait se faire du fric. Et du coup, voilà. Il s'est posé, il est content. Je bitch beaucoup. J'en ai rien à foutre. Si ça se trouve, j'ai tort. Eh ben tant pis, dites-le moi. Oh, un truc! Un truc spectral. Il est très cool. Ponty! Claude Ponty? Lui? Lui-même? Le médailliste de talent? Bah c'est parti! Zut, Hugo décrypte mal, oui! Salut, Silent Defense, salut, welcome! Shadow Slime, with sword, oui! Bah du coup, ça me convient très bien. Ça me semble sympathique, et j'espère que je vais pas le tuer. Ah non! Salut, salut! Et oui, hein, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Hugo Decrypt et que vous me dites « Mais tu racontes n'importe quoi, il a quand même dit ça qui était super intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Hein. » C'est juste du peu que j'ai vu et de ce que j'ai décrypté d'Hugo Decrypt. Je me méfie du gars, quoi.
Je me méfie des gars comme ça qui essayent de se faire du fric sur un travail journalistique et politique. Est-ce que j'ai perdu beaucoup de vie ou pas? Moi je connais rien, j'irai voir dans la crypte un de ces quatre pour me faire un avis. Let's go quoi. Let's putain de go. Mais tu vois, en termes de... Pour s'informer, sans forcément se politiser, après Mediapart et Blast, certes ce sont des médias de gauche, ça ils se le cachent pas, personne ne le cache quoi. Mais pour s'informer, je les trouve très intéressants. Et en plus, Blast, en format vidéo, parce que si ce qui peut attirer avec Hugo Décrypte, c'est le format très vidéo, après Mediapart en fait aussi, mais c'est surtout papier, Mediapart, enfin papier et sur site, ouais bah mais... Blast, ils font plein de trucs différents, et il y a même des analyses de films, avec un angle social. C'est quoi le nom du mec qui faisait ? J'ai vu récemment, là, je crois qu'il est nouveau dans l'équipe de Blast et il est super chouette. Donc même ça qui est pas de l'information politique en soi, c'est très chouette. Parce que c'est pas directement politique. Mais ça permet de refaire un lien politique avec certains films qui est intéressant. C'est très chouette. Hein. Se rappeler que tout est une affaire de politique. Parce que tout est bonheur. Hein. Un plat. Mais bref, voilà. Si vous connaissez pas Blast, allez voir putain de Blast. Blast, c'est trop cool. Ils font tellement de choses intéressantes. Et en plus, ils essayent de relancer les guignols de l'info, là, en ce moment. Les guignols de l'info qui étaient bouffés par Bolloré. Qui ont été littéralement slurpés. Donc, sympathique démarche qu'ils font, n'est-ce pas? Je suis en train de regarder un avis vraiment nul, mais le site est bien. C'est-à-dire un avis vraiment nul. Je suis en train de regarder un avis, c'est-à-dire... Mais du coup, attends, pour Hugo Décrypte, attends, mais il y a un site... Bonk. Zouzou! C'est Zouzou! Putain, Zouzou, c'était dans quel... Zouzou. Putain, c'était avec un animé qu'on avait regardé avec... Avec la clique, là. Ah, merde. Le site de Blast. Mais c'est-à-dire un avis vraiment nul. C'est quoi, la vie? C'est quoi, la vie qui est nulle, mes mots? J'allais taper Minzou parce qu'il y a Zouzou devant moi. Mais joie Don't Starve, aucun pot de déco. Tristesse. Zuko dans Avatar. Oui, voilà. Merci. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'était lui. C'était ça, exactement, c'est Zouzou. C'est Zouzou dans Avatar. Bah, tu es là, c'est bien construit, moi je suis là, super, les couleurs du sucre. Mais non. Non, c'est un bon truc aussi. Parce que parfois, il y a des sites qui sont vraiment tout pourris et qui rendent l'accès finalement à l'information difficile. Donc le fait que Blast, leur site, est cool aussi, je trouve ça chouette. Et merci, la pipe en métal. Je trouve que c'est un truc cool à prendre en compte. Ils ont fait attention à soigner un peu le site pour que ce soit chouette, et je trouve qu'en effet leur DA est trop cool. Je m'en fous, hein, Mémo, que tu me donnes un avis de DA alors qu'on parlait d'autre chose, parce que je suis un sucker là pour les DA qui sont marrantes. Et je trouve que Blast, en plus Blast, si tu regardes, quand tu vas tout en haut du site, tu vois, t'as le logo au milieu Blast, si tu descends le logo disparaît, quand tu remontes après il repop, mais en disparaissant et en faisant flou. Tu vois, tu descends et après tu remontes tout en haut et tu verras le logo, il fera sloop en haut et ce sera le highlight de ta journée. J'ai direct reconnu un merveilleux. Le Zuko. J'ai pas pu le capturer du coup, j'ai capturé Zuko. Mais attendez, mais il faut que je vais faire des trucs. La la la. En fait, ce jeu, il est très bien pour papoter à côté. Et il est très bien pour ne pas porter trop d'attention au jeu, parce que sinon... Sinon, c'est infernal. Je vais dégager... Oh, j'ai trop la flemme, je vais dégager Yashiro, hein. Et
Ichiro, j'ai quand même envie de tester, mais bon. La 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 la. Il est niveau 5, hein, un peu la flemme. Où les titres de catégorie le font aussi, je bouge ma fête depuis tout à l'heure. Ah, merveilleux! Ça, c'est le futur. Ah, bah moi, j'étais sûr que si Hugo décrypte, il a un site internet et je pense qu'il en a un. Et bah, s'il en a un, et bah, c'est sûr qu'il fait pas d'aussi d'animation que sur Blast. Alors, allez voir Blast. Blast.fr pour s'informer et aspirer de bonnes informations sympathiques. Ils font plein d'interviews avec des gens super intéressants. C'est ça qui est cool et qui est super en complément de Mediapart pour moi, comme c'est mes trucs principaux. Bah, c'est qu'ils font des interviews super chouettes, hein. Avec des auteurs, des créateurs, plein de gens différents. Des gens en politique aussi, des socialistes, des économistes. Du coup, ça permet. J'arrête pas de dire du coup, j'aime pas. Mais ça permet d'avoir plein de points de vue. Toujours de gauche, bienvenue sur les points de vue. Ouais. Plutôt de gauche, les points de vue. Ils sont, c'est bien, moi j'aime bien, évidemment, mais soyez pas surpris, quoi. C'est des points de vue de gauche. Exact. Mais du coup, ça en permet d'en avoir plusieurs. Plein. Sur plein de points différents. Des points clés. Donc si vous avez des questionnements disant je comprends pas bien comment que l'économie elle fonctionne, j'ai du mal à cerner, bah vous pouvez aller voir une interview avec je ne sais quel économiste qui parle de par exemple son dernier livre ou d'un truc comme ça. Merde, je suis TCD. Et ça permet d'avoir déjà l'esprit un peu plus clair sur la chose, ce qui est très cool. Sur ce, je dis pop. Tu dis pop, et bah bon, dis pop. Alors oui, le site de Hugo Decrypt est naze, là c'est littéralement juste un truc de lien. Laisse-moi... Ah non, c'est juste un truc de... Qui renvoie à ces autres... par exemple, voici ma plateforme Twitch, voici ma plateforme machin. C'est juste un Linktree. Enfin, un simili Linktree, ou c'est un vrai truc où il y a des articles. Yep. Ah oui, mais oui, du coup ça compte pas vraiment. Je pensais qu'il avait un site avec des articles ou des... ou justement un accès à tous ces décryptages. Et comme je vous ai dit, voilà, je me méfie des gens avec un esprit trop entrepreneurial. C'est des Mr Beast kind of guy, quoi. C'est vraiment... je vais faire mon flou sur une problématique sociale. C'est parti. Et évidemment, c'est super. Salut Grage. J'ai l'impression qu'il passe sur Instagram pour ça. Ah, c'est possible. Et voilà, c'est que lui, il est vraiment présent plutôt sur les réseaux sociaux, peut-être. C'est peut-être ça, il est pas vraiment... Oui, voilà, oui, il est plutôt présent sur les plateformes qui existent déjà et il a pas forcément son site à lui. En même temps, c'est cohérent avec sa démarche. Mais bon. C'est nul. Ça se passe bien, je suis en train de bitcher sur Hugo Decrypt. Parce que, tout à l'heure, je pense que ça va te plaire, cette image, Grage. Je sais plus, c'était toi, Naïvel, je crois, qui avait dit ça. C'était à la place d'Hugo Decrypt, ce serait Hugo Decrypt. Hugo dans les cryptes, c'est un vieux monsieur Decrypt, c'est lui qui te donne ta première quête et qui vient Hugo Decrypt. Je te crois qu'elle fait crypter. Hugo Decrypt, oui, tu veux. Sub-Zero, ça marche pas. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche ou ça marche pas? En tout cas, des métal pipi on a. Ice Spike. J'ai gagné la bagarre. Et du coup, j'ai changé l'ordre de mes bagarreurs. Je vais mettre Claude Ponty en premier. Claude Ponty, viens là. Claude Petit, vous en avez forcément entendu parler. C'est ce merveilleux bonhomme. D'ailleurs, il y a des interviews cool sur Arte Podcast, sur ce qu'il fait et sur comment il a écrit ses livres et son... et en quoi c'est lié à sa propre enfance. Enfin, c'est super chouette. Et c'est lui qui fait les petits canards jaunes, les sortes de BD avec des myriades de canards jaunes et de petites créatures. Enfin, j'ai dit canards, c'est pas vraiment des canards, ce sont des petits oisillons. Vous avez forcément vu passer ces BD quelque part. Hein. C'est vraiment un brave bonhomme. Hugo Decrypt, je viens de crypter.
Je viens de... J'ai cru que tu le disais, je viens de capter qui cryptait. Ouais, il y a Obicroft qui a fait pas mal de mèmes avec Hugo de, avec Huge, Hugues des chips. Attends, dit Huge des chips ou Hugues des chips? Hugues. Et c'est un vrai prénom ça, Hugues, non? C'est quand même un drôle de prénom. Bash. Et il y en a plein à la libre quand j'y bossais. Oui, c'est super, hein. Claude Ponty, c'est toujours le must hein, pour les... Que ce soit pour enfants ou pas, enfin, c'est quand même plus axé enfants, évidemment, mais... C'est toujours... plein de merveilles, peu importe votre âge. Des canetons, oui, voilà, des sortes de petits canetons. T'as décrypté un panier ? Oh putain ! Oh putain, non ! Donne pas des idées à Grage ! Il va tout décrypter ! Mais oui, les interviews que j'avais entendues là il y a quelques mois, même plus d'un an maintenant, merde, sur Claude Ponty. Enfin, du coup, c'est vraiment des interviews. Il parle de ses créations et de comment de son enfance aussi. Et du coup, il a grandi. Ah, j'arrête pas de dire du coup, ça m'embête. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est un tic de langage qui m'énerve. Je veux bien le dire de temps en temps, mais là, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça casse le rythme de la phrase. Non, Zouzou. C'est Zouzou. Je vais te confuse. Du coup, bah ouais. Ce que je disais, c'est que Claude Ponty, son père... Hein. Est-ce que c'est... Confuse, ça fait des dégâts? Bah génial. Et merci, Chichi Mom. Salut. Salut. Son père était violent. De mémoire, il était violent avec lui, avec... Ouh, aïe, aïe, je me suis fait mal à l'épaule. Avec lui, avec sa mère, et il lui laissait très peu d'espoir. Et Claude Ponty se réfugiait dans les dessins, finalement, si je me rappelle bien. Il avait commencé avec un travail de transport de marchandises ou quelque chose comme ça, je crois que de mémoire, il parlait de transport de caisses d'orange. Et il dessinait... Pendant les pauses, je ne suis plus sûre hein, de comment ça s'est passé exactement sur le départ, de comment il a travaillé, il a été édité au départ, mais... En tout cas, il dessinait pendant ses pauses et quelqu'un l'avait remarqué. C'est vraiment les sortes de coups de peau comme ça, quelqu'un le remarque et dit hey, « ça c'est sympa ». Et il a commencé à travailler, à être opéré par un éditeur comme ça, en dessinant pendant ses pauses. Du coup, c'est pas le nom de héros de Midoriya. Du coup, Midoriya. Dieu, mais c'est lui qui a fait le doudou méchant, oui! Oui, c'est lui! C'est lui-même! C'est un monstre de puissance. Et quand il a créé cet univers très enfantin, et qu'il a commencé à éditer pour les enfants, parce qu'il avait fait des livres... Comment ça se passait? Je sais plus, il faudrait que je revoie, parce qu'il avait fait des d'autres livres, mais est-ce que c'était pour enfants, ses premiers? Je suis plus sûre. Mais quand il a commencé à faire les canetons, je crois bien que c'était quand il a eu son premier enfant. Et qu'il voulait... montrer, justement, un monde un peu décalé. D'un point de vue... Un point de vue d'enfant, finalement. Kant a créé l'univers de Ponty. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Si tu fais une blague, je l'ai pas capté. Je l'ai pas crypté. Avec Blaise, celui qui porte le masque là. Le masque rouge. Le principe de Blaise, c'est que ça peut être n'importe quel canard. Oh, il est cool lui aussi. C'est vraiment Ombrage en fait, ce petit monstre. C'est Ombrage Tiers. Ces monstres sont Ombrage Tiers. Le principe de Blaise, c'est que n'importe quel canard peut mettre le masque et être Blaise. Donc c'est pas le même canard en soi. C'est ce masque aussi qui est un peu un masque déformé, colérique, c'est pour montrer que les émotions de colère sont acceptées pour les enfants. C'est ok d'être en colère, c'est ok de vouloir tout casser. C'est ok de vouloir être un peu sauvage.
d'être sauvage, même pas forcément juste un peu, mais c'est ok de vouloir être sauvage. Tu es un enfant, tu peux être sauvage, quoi. Laisse tes sauvageries vaquer. T'as dit quand il a créé l'univers des Scantons. Quand il a... Oui, bon, d'accord, oui, bon, un et oh, un et... C'est trop complexe, là. Cantons, envie de blazer. C'est pas ce que disait ma maman. Elle disait quoi, ta maman? Elle disait que c'était pas ok d'être sauvage. Et Claude, tu pourras lui dire à ta maman que Claude Ponty l'a dit que c'était ok. Du coup, bah, Claude Ponty, il a vendu plus de BD que ta maman. Du coup, il a raison. Non, Grage. Non. Tu calmes mon cul. Tu calmes ton cul, là. Non, mais quel dommage. Calmer son cul, mais quel dommage. Non, vraiment, Claude Ponty, c'est un best. C'est un des bestes. C'est un des premiers auteurs français pour enfants qui vient en tête. En fait, j'en ai même pas d'autres. Genre, j'ai des livres pour enfants que j'ai bien aimés, mais je me rappelle plus le nom des auteurs. Claude Ponty, il a vraiment été mis en avant comme jamais, et son nom a rayonné. Tiny guy. Mais il y a une vraie sincérité dans l'univers de Claude Ponty. Il en a quelque chose à faire, quoi, des enfants. Il fait pas juste ça comme ça pour passer le temps, ça c'est sûr. On a quelque chose à faire de faire un truc sympa. Et bonk. Un vrai univers tout charmant. Et ça, les gamins, bah, ils le ressentent quand ils lisent un livre pour enfants. Et c'est super, comme ça, avec tous ces persos qui fourmillent, comme ça, ça donne tellement de choses à voir, tellement de choses cachées, ça fait rêver, et puis on peut traîner sur des pages des heures durant, en faisant... Et quand t'es un gamin, et que tu vois ces livres-là, c'est vraiment, tu peux laisser la double page ouverte, et juste t'amuser comme ça, en imaginant des trucs, en regardant les doubles pages, et c'est... Une double page devient tout un monde super chouette, c'est trop cool, c'est simplement trop cool. Oh putain, mon meilleur pote après Chimist, la barre de métal, bah oui. Bah oui. Tu peux même mettre ça avant Chimist, hein, franchement, je pense, oui. Moi perso, c'est la barre en métal et mon meilleur ami de tous les temps. En vrai, de vrai, le bouquin que je connais de lui me faisait peur étant gosse. Ah, c'est peut-être possible. Je peux voir en quoi ça peut faire un peu peur. Et moi, j'avais tendance à aimer soit avoir un petit peu peur ou les trucs qui faisaient un petit peu peur petite, donc ça, soit ça me dérangeait pas, soit ça m'embêtait pas. Soit la peur ne me. Je ne la calculais pas trop, soit au contraire j'étais un peu. Ouais, t'as fait un peu peur, t'es rigolo. Mais je peux voir en quoi certains de ces monstres ou de ces récits peuvent être un peu effrayants. Parce que dans ces récits, il y a ça, il y a un peu le. Il cache pas trop. La peur. Et parfois un petit peu de violence. Hein. C'est pas non plus des meurtres, hein. Ça reste un livre pour enfants. Hein. Mais c'est pas si édulcoré que ça. Mais je suis en train de mourir, mon Claude Ponty est en train de mourir, Claude Ponty, non! Zouzou, elle attaque! Je monte même pas de niveau, je parle depuis une heure! J'ai même pas monté d'un niveau parce que... Swoop! Ce jeu est infernal. Swoop! Bon allez, c'est parti, hein. Mon Claude Ponty n'a pas monté d'un niveau, je crois. Attendez, laissez-moi voir ça. Alors, mais voilà. Niveau 16, si, il a monté d'un niveau, je crois. C'est absolument tout. Mon Flake a monté d'un niveau et mon Minusan n'a même pas monté d'un niveau! Putain! Putain! Aïe 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 aïe.
Ça me fait rire qu'on ait commencé à parler de Claude Ponty juste parce qu'il y a un monstre qui s'appelle Ponty. Et c'est lui, oui, tout à fait. Ça fait beaucoup rire, la rire en métal. Rire en métal, rire. Je vais voir si je peux le battre avec mon Claude Ponty maintenant. J'espère. Si t'étais en train d'écouter les New Monsters. Rire de métal. Voyons voir. Grief. Je vais te mourne. Rire en métal, c'est quand tu as un appareil dentaire. Oui, c'est vrai. Je ris de métal. Slash, me voilà. Ouah, c'est super puissant. Slash. Ah non, bâche. Je te tabasse. Ça a bien marché. Mon Ponty va te slasher à nouveau. Slash. Beaucoup ri de métal durant ma vie, du coup, oui. T'as eu un appareil dentaire combien de temps, toi, Grage? Moi, j'ai eu que 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. J'ai pas eu longtemps, mais par contre, j'ai les dents dans un état assez étrange. Elles sont tordues. Mais apparemment, c'était pas possible de régler tout ça avec un appareil dentaire. Ou sinon, c'était juste qu'il se disait « On va lui enlever l'appareil dentaire plus tôt, comme ça plus tard, elle reviendra avec des problèmes dentaires et ça nous rapportera plein d'argent !» Ce qui est aussi possible. À peu près 7-8 ans. Quoi ? Ah putain, mon pauvre Grage ! Mais t'avais les dents si tordues que ça pour l'avoir 7-8 ans ? T'avais vraiment des problèmes dentaires qui... Putain ! Parfois, je sais pas comment ça se passe, hein, pour quand ils décident que telle ou telle personne doit... Oh non, mon Claude Ponty est mort ! Putain, j'ai pas fait attention ! Ah ! Beuble ! Ah merde, ce sera pas suffisant. Il va mourir. Non, il mourra pas ! Oh super ! Primaire jusqu'à early lycée. Mais putain, primaire, mon pauvre ! Ouais, non, ma mâchoire était décalée. Aïe, 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 aïe. Ah super, mon Mewsan a gagné plein d'XP grâce à ça. Ou pas tant que ça, je sais pas. Et comme je bougeais, je mâchais mes stylos, ça bougeait pas. Je mangeais... Attends, c'est-à-dire, comme tu mangeais tes stylos, ça... C'est-à-dire, ça bougeait pas. Mon test était là. Stop live, les appareils dentaires. C'est ok si tout est pas droit. Au revoir. C'est vrai. Tu vois, en soi, c'est ok, mais après, parfois, ça peut poser des problèmes en grandissant, mais quand les orthodontistes, ils t'en parlent, eh ben, tu sais jamais vraiment si c'est parce que plus tard, ça te posera des problèmes ou si c'est juste pour avoir des dents excellemment droites. Moi, je sais qu'ils me l'ont enlevé au bout d'un an et demi, avec des dents qui n'étaient pas droites, parce que c'était apparemment pas possible, de juste avec des appareils dentaires, de régler ces problèmes. Mais ils auraient pu peut-être me scam... en essayant de me faire porter l'appareil dentaire plus longtemps, en me disant si, ça permettra d'éviter d'avoir encore plus de problèmes, parce que tout ce que ça a fait, c'est éviter d'avoir plus de problèmes que ça. Mais là, en soi, si je veux des dents excellemment droites, il faut que je fasse une opération supplémentaire. Mais une grosse opération, quoi, que je porte un appareil dentaire pendant environ 1 an, puis après, que je fasse une opération où il racle les os. Des trucs, mais vraiment un truc, ça me fout l'idée qu'il fasse ça à ma bouche, ma pauvre bouche, ça ne me réjouirait jamais, jamais. Donc il faut qu'il racle les os, et après, je reporte un appareil dentaire pendant 6 mois. Et là, j'aurai les dents droites. Et c'est même pas pour avoir d'éviter d'avoir des problèmes dentaires en soi, c'est vraiment juste pour avoir des dents droites. Donc génial! Non merci! Et en plus ça coûte cher quoi! Je crois qu'il y a une partie qui est remboursée, mais je sais même pas si tout est remboursé. C'est possible que tout soit remboursé, mais ça reste horrible comme perspective. Exact! Bizarre le régime alimentaire, le stylo, mais c'est vrai. Moi je trouve les stylos quand t'es gosse, c'est-à-dire quand t'as la mâchoire en train de se développer, ça bouge la mâchoire. Ah merde! Mais à ce point-là! Tu les mâchouillais à ce point-là, mon pauvre! En soi, j'ai aussi un gap entre mes dents du haut en bas et du bas en soi. Bah oui, moi aussi! En foi, en soi, bah oui! Dans la ville de Foix, en soi, ma foi, dans la ville de Foix, il y avait une vendeuse de foie, ma foi, en soi.
qui vendait du foie en soi, bah, ma foi, dans la ville de foie, ma foi en soi, elle vendait du foie, ma foi en soi, et c'était, c'était bien, en soi. Je suis pas allé dans le Bonaparte. Hein. Je suis pas allé dans le bon Napoléon Bonaparte. Hein. Grage d'enfant mal nourri. Oui, bon, je sais, stylo. J'avais un souci avec stylo, mais mon pauvre Grage. C'est terrible. Il est trop mâchouillé. Et j'ai un gap entre les dents qui fait que je peux, bah justement, je peux mettre un stylo. Et bah j'ai même pas, je peux laisser ma, là je ferme ma bouche, là ma bouche est fermée, là est fermée, et dents sont fermées, et là, ah, j'ai eu un stylo en rayant. Voilà, et un stylo en rayant, et ça j'ai les dents fermées, et ça j'ai un stylo en rayant. Alors c'est quand même complètement là. Du coup, en bref, mes dents sont un range stylo, donc pourquoi je voudrais get rid de ça? Pourquoi je voudrais me débarrasser de mon range stylo? C'est super pratique! J'ai même pas besoin de forcer sur le stylo. Je peux le faire glisser, comme on ferait glisser un stylet dans une DS pour le ranger. On peut faire exactement la même chose avec mes dents. C'est super, non? Pourquoi je voudrais me débarrasser de ça? Je viens de tester, je peux pas le stylo déçu là, putain. Bah, tu vois, je peux pas sur les dents de l'an. Et c'est entre les canines de gauche là. Et enfin, sur la côté gauche, j'ai un trou entre les canines qui permet là de faire passer un peu le stylo. C'est pas non plus un trou béant quoi, mais il est suffisamment grand pour faire rentrer un stylo. C'est pas les dents du bonheur là, c'est les dents de la providence. Non. Oui. Oui, après là c'est entre les dents du bonheur, c'est entre les deux dents. Tiens. Là c'est un... moi c'est pas entre deux dents. Du haut c'est entre, c'est la hauteur. Entre les dents du haut et les dents du bas, pas entre une dent de gauche et une dent de droite. Sinon oui, là ce serait très inquiétant de pouvoir faire rentrer un stylo entre deux dents. En fait, c'est juste qu'il me manquerait une dent là. Ce serait quand même différent. Je pense que je peux tuer ce Claude Ponty. Celui-là, je peux l'avoir. Slash! Pardon, les dents de droite, sûrement, qu'on stream. Pardon, pardon! Je voulais pas dire ça, oui, pardon, c'est vrai! Oh, tu as raison, faut pas. J'enlève directement, immédiatement, toutes mes dents de droite. D'ailleurs, je coupe tout mon côté droit, je ne suis qu'un côté gauche. On n'a que des dents qui votent renaissance. Oh non! Oh non! Bordel de merde! Renaissance, quoi, putain de merde, ce nom de parti, quoi. Ah, il nous combat direct après le monstre! Oh là 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 là! Je ne perdrai pas contre quelqu'un de ton genre. Qu'est-ce qui se passe dehors, là? Il y a une tempête de neige. Tonnerre, oui. C'est le tonnerre. Oh, mais c'est un masque-casse! C'est un masque-casse! Claude Ponty! Non! Neige en mai, tout à fait. Ce n'est pas de la neige, hein, c'est le tonnerre. Je rigolais. Est-ce que je change de musique peut-être? Cette fois-ci, je vais... Battle Rival! Une de mes musiques préférées de tout Pokémon. Si j'ai besoin d'un theme song dans Pokémon, si on doit choisir, bah c'est forcément celui-là. Vous vous rappelez-vous le Kazoo Stream? Mais moi, tu ne te rappelles pas le Kazoo Stream, car tu n'étais pas là pendant le Kazoo Stream. Tu as loupé un truc. Mais du coup, j'ai fait cette musique au Kazoo, là. C'était extraordinaire. C'était un Kazoo Only Stream. Et du coup, je n'ai vraiment fait que du Kazoo. Je n'ai pas parlé, j'ai juste Kazoo. C'était pendant combien de temps? Je crois que c'était 2 heures. Mais à savoir, du coup, je le redis, hein, mais j'avais fait du coup 2 heures de pur Kazoo, mais avant ça, j'avais fait 5 heures de pur Kazoo en... juste parce que je pouvais. Du coup, j'ai fait 7 heures d'affilée de pur Kazoo. Cette musique, Kaou, c'est-à-dire cette musique, tu veux le nom? C'est le rival de Diamant et Perle. Cette musique au casse. Oh non, je viens de réaliser ce... Help. La la.
Bagoubi. Bagoubi, tu vas mourir. Va-t'en, Bagoubi. Vas-y, Légion d'honneur. Ah, c'est le plus cursed, mais ça, qu'est-ce que c'était bien, oui. Un jour, je referai un truc similaire. Hein. Si ça se trouve, ce sera le Gazoo Stream 2, mais j'ai vraiment envie de faire un truc exact. J'avais envie de faire un truc différent, mais faut voir. Faut voir. J'ai pas vraiment fait d'événements de streams spéciaux depuis longtemps. Hein. Mais c'est parce que j'ai pas vraiment eu la foi. Mais bon, à un moment j'aurai la foi et je ferai des streams spéciaux. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Wesh, c'est quoi ce jeu? C'est trop beau! C'est New Monster, c'est un Pokémon-like. Et je ne sais pas si je pourrais te le recommander honnêtement. Il coûte de l'argent réel. Donc voilà, c'est pas un jeu gratuit sur itch.io. Et en soi c'est rigolo parce que c'est un Pokémon-like, tu découvres de nouveaux monstres. Tu peux personnaliser ton petit décor, ta palette de couleurs. Mais tu peux pas renommer tes petits monstres déjà, c'est un peu triste. Oh merde, ça le tue pas. Oh putain de bordel de merde. Ah oui, mais du coup, je vais pouvoir le tuer avec Claude Ponty. Tue-le. C'est bien. Mais le truc, c'est que c'est un peu hard. Il y a ma mère qui m'appelle. On était censé aller à un truc ensemble, mais là, je sais pas si... Il va y avoir du tonnerre, donc je sais pas si c'est le moment. Je vais lire. Je lui réponds. J'aimerais aller me soigner. La bonne boucle de 30 secondes, tout à fait. Mais si vous voulez écouter la musique du jeu, parce que il y en a quelques nouveaux là qui reviennent, qui arrivent. Bon déjà elle bug pendant les combats, et parfois elle est là, et parfois elle est pas là, et le plus souvent, eh ben, elle est pas là. Du coup là par exemple, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Alors, normalement, il y en a une, hein. Mais là, peut-être que chez vous, ça fera pas ce bug-là, mais chez moi, ça fait ce bug, en tout cas. Oui. Ah, mais griffe, ça enlève de la vie à tout le monde. Bah oui, tout à fait. Bagoubi! Vas-y, Bagoubi! Slash, non, mais ça va me tuer! Bagoubi! Non! Mais Claude Ponty, moi, tu vas pouvoir le finir! Finis-le! Super. Et là, écoutez-moi cette musique. Du coup. Bagoubi, t'allais. C'est une musique qui donne envie de crever. Dans mon rire, j'ai envie de mourir. Envie de canner sur le bord de la route en été. Je vais aller dans un magasin sans Pokémon. Sans Pokémon, c'est super joyeux. Et même alors, ça me rappelle des temps anciens qui me donnent envie de mourir. Encore de mourir. Et là, celle-là, ça fait juste peur. C'est quand même pas très fort de se chanter toujours à jeter des poutres là. Oui, c'est vrai. Putain, maintenant, je fais même plus attention. J'en suis vraiment à un point où c'est devenu normal d'entendre un bruit de poutre en fond. Oh non. Du coup les musiques m'énervent, voilà. Voilà, banger pour soigner tes monstres là. Oui. Mais oui, je trouve les musiques trop tristes ou trop nostalgiques et jamais entraînantes. Jamais légères ou joyeuses, elles sont toujours un petit peu nostalgiques, un peu lourdes. Ou simplement triste. C'est là, c'est trop triste. Et là... Et en plus, elle bug. Et là, par exemple, la route 2. Bah voilà, putain.
C'est pour te rappeler le temps où tu jouais à Pokémon et à quel point c'était mieux. Après, on peut toujours jouer à Pokémon, c'est pas comme si ça n'existait plus. Mais voilà, on sent que la musique n'est pas le point fort de la personne qui a fait le jeu. Après, du coup, le jeu est Mimi. Je suis pilote. Tout à fait, je suis pilote. Merci, Steph. Youbi, 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 youbi. Mais merci. Oh, ça fait... Oh, un pom-pom. Ça fait 11 mois. It's been 11 months. Ça fait 11 mois. Soon, the anniversary. My God, thank you a lot. You are very kind. Thank you. Mais oui, du coup, il y a plein de petits monstres. Après, il y a d'autres petits... Du coup, il faut être au courant que ce jeu n'est pas sans bug. Parce que, y a, donc, comme je vous l'ai dit, il y a la musique qui saute pendant certains combats. Et par exemple, si on appuie sur Tech... En fait, ça double-clique. J'ai appuyé qu'une seule fois, mais ça double-clique. Du coup, ça double-clique directement sur le new Dex, le Pokédex. Du coup, je dois revenir en arrière. Et là, pareil, si j'appuie là, ça va à nouveau double-cliquer alors que je clique qu'une seule fois. Et du coup, ça commence le déplacement du truc. De mon premier new monster. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est des points de détail. Donc si vous voulez un Pokémon like qui grind pas mal, il a l'air chouette. Mais après, ça a vraiment l'air de grinder à fond. Bon, maintenant je commence à mieux apprécier le grind, je commence à moins me plaindre sur le grind, ça me va. Mais c'est juste qu'il est très grinder. Oh, un petit bidouille! Oh, il est trop bien! Ça yir! 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 Attendez, je vais mettre une musique. Pokémon Gym, peut-être? C'est parti! Claude Ponty, utilise Bash! Ça fait très mal! Des bugs comme Scarlet et Violet, le plancher n'a plus de limite! C'est pas les mêmes types de bugs, mais c'est vrai qu'en soi, ils sont moins embêtants peut-être que cela. Yir! La 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 la. Je vais essayer de le capturer. Pour le capturer, il n'y a pas besoin d'objets. C'est très gratis, on utilise juste de la mana de nos monstres. Et là, hop là! Quand tu captures un truc, parfois la musique se relance, donc ça c'est la musique de combat. Et si vous voulez me poser la question, même en restartant le jeu, il y a toujours des problèmes de musique. Je suis trop content, j'ai un yir. Je vais aller chercher mon yir. Toh, type beat. Non. Non, parce que Toho, c'est bien. Les musiques sont super. Celle-là, elle est trop vide. C'est vraiment sur le bien, je ne sais pas quoi faire, je fais des notes et je ne sais pas. Il y a même un moment, ça fait... Tellement ça sait pas quoi faire, quoi. Toho. Bon, après, il y a des airs un petit peu de musique asiatique, et donc c'est peut-être le seul rapport avec les musiques de Toho. Peut-être. Mais... Je t'assure que, putain, niveau complexité musicale, c'est ce jeu... Non. Non. Bruit d'oiseau qui s'envole. J'ai oublié de récupérer mon yir. Putain, j'aurais dû retourner le petit ticket. Aussi, il n'y a pas de bouton pour courir. Putain. J'ai enlevé le similiraphysia donc j'ai rien à faire et je vais l'échanger avec mon yir. Bagoubi, t'es trop faible. Je suis vraiment désolée mais tu es faible. Je vais t'échanger avec la goutte d'eau. Il y a Zouzou. Flake, je l'aime moins. J'aime moins la Légion d'honneur. Donc je vais mettre Zouzou là. Mais dis donc, mais il pleut! Attendez, laissez-moi faire un truc. Je vais mettre sur pause pendant un instant. Midez les zouzous, putain! Et je vais juste regarder par la fenêtre à quel point il pleut, ça m'intrigue. Je vais regarder. Je... Jure... Merde, j'ai zoomé sur moi. Non, je voulais dire, jure.
Alors, bah du coup, il y a un énorme orage. Et si tu ne le vois pas encore, Mémo, je crois qu'il a grêlé légèrement. Mon chat était un peu inquiet et puis j'en ai profité pour me... Du coup, bah déjà pour le rassurer et puis pour me prendre un peu des trucs à grignoter. Non, j'ai bien vu. Ah, nice. Kourou, Matt, MP. Attends, j'arrive. Qu'est-ce que tu m'as montré? Attends. Le Nürburgring... je sais pas comment prononcer. A une mascotte et c'est un furry. Attends. Welcome to a new official Nürburgring mascotte legend. Son nom c'est Legend. Attention, il est sponsorisé Total Energy. C'est un furry vendu. C'est un furry tout de même. Mais c'est un renard. Laissez-moi vous montrer. J'arrive, je prépare le truc. La 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 la. Donc peut-être que derrière moi vous entendrez des bruits d'orage. Ou peut-être pas. Je pense que, honnêtement, je pense que vous allez pas les entendre, mais bon. Elle est ridicule, la fuck. Elle a l'air un peu pétée. Un peu pétée comme ça, ouais. Je regarde juste si ça... Y'a rien qui me doxe là avec ça, non. Trop bien. Pourquoi c'est zoomé comme ça? Pourquoi c'est zoomé à 175? Je sais pas. Attendez. Salut. J'ai enlevé mon image. Regardez-moi ça. J'arrive. Voilà. Alors. En soi, j'aime bien son museau pointu comme ça. Ses yeux sont un chier. Ils ont toujours du mal à réussir les yeux, hein. Mais. Il est pas si un chier que ça. Il fait pas juste le même style que tous les furries. Parce que ce serait. Je pense que ce serait pas à propos pour une mascotte officielle de faire un style qui est vraiment furry-like. Qui est là, il est un petit peu changeant, mais putain, qu'est-ce qu'il est à chier, là. De face. Sinon, ça ferait trop Brandable Fury, et ce serait incorrect. Elle me tabasse, là, sur cette photo-là. Là, je suis tabassée également. Des petites patounes! Au moins, ce qui est bien, déjà ça, de 1. Et de deux, bah, ils ont pas la personne qui est dans la mascotte. Elle est pas en train de trop de crever de chaud parce que c'est pas une tenue full en polaire ou en poil. C'est une tenue de course avec des éléments, la petite queue, la petite patoune, la tête. Bon, la tête, oui, il a une crève de chaud dans la tête, mais voilà. Mais même, je trouve qu'en fait, ça aurait été mieux de faire de donner des gants. À la place de donner des gants de course plutôt que des patounes, parce que les patounes, bah, elles sont moches. C'est juste l'idée d'avoir une mascotte pour un des circuits les plus dangereux du monde avant cette... Tu vas peut-être mourir ici, mon gars. Ce sera peut-être la dernière chose que tu verras de ta vie. Ça t'enjaille? Est-ce que cette idée t'enjaille? Regarde, c'est la dernière fois que tu verras mon cul. Toi, là. Tu vois le virage derrière moi? C'est peut-être là que tu vas mourir. Oui, j'ai la voix de haute de Konyoko, mais j'ai bien le droit, je suis une mascotte de circuit officiel. On m'envoie des messages. Ma mère qui me dit « Orage à l'horizon, t'as pas peur? Tu devrais stopper peut-être ». J'ai ce qu'il faut au cas où il y a une coupure liée à l'orage, hein, vous inquiétez pas. Ça ne va pas
détruire tout mon matériel. C'est fait pour être anti-orage. Ça tue l'orage. J'ai une multiprise qui tue l'orage. Par contre, il a le butt plug qui donne une queue. Tu penses que c'est un butt plug ? Tu es vilain, Grage. Tu es un vilain. Hop ! Ça dégage ! Et ça revient. Sur nu, monster ! Je réponds juste. Hop, voilà, et je vais boire. Félicitations pour la promotion automobile. Ah, super, et en plus je suis sponsor par Total Energy. Ce sponsor qui est vraiment nickel chrome, quoi. Il a rien, il a pas du tout de casserole derrière son cul. D'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, c'est-à-dire peut-être que moi, hein, mais... Vous voyez le lieu où il y a les étudiants polytechniques et tout, ce campus-là, où ils essayent de créer une sorte de campus à l'américaine. À l'américaine, mange de McCain, c'est quoi déjà, je sais plus. Et ben, ils essayent d'américaniser ça et de placer des sortes de trucs privés là-dedans, dont une enceinte Total Energy. Enfin, des trucs comme ça, c'est aberrant. Et les étudiants protestent contre ça, mais ça se construit quand même, c'est terrible. C'est terrible. Parce que imaginez, vous faites des études super sérieuses, super puissantes, qui donnent éventuellement un accès, bah certes, à des métiers, des métiers haut level, mais des métiers d'ingénieur et sur de longues années, pour pouvoir acquérir des compétences précieuses. Pour faire évoluer l'humain, l'humanité, aider les gens, et à la place, vous l'utilisez soit pour aller en agence de com, pour pouvoir faire la com des présidents, de Macron, là, il y a plein de gens de Polytechnique qui ont fini par bosser chez McKinsey, tout ça, et qui finissent par devenir des gens qui travaillent en com chez eux, soit vous allez chez Total Energy, imaginez ça. Imaginez quel piètre Polytechnique vous êtes si vous faites ça. Vous êtes un vilain polytechnicien, vilain! Vous êtes un vilain, vous avez gâché votre potentiel sur ça, vous êtes un vilain! Je vous juge! Il y a plein de polytechniciens qui vous jugent si vous faites ça! Vous êtes des vilains, voilà! C'était mon coup de gueule. Tout le monde s'en fout. La barre métal aussi. Je sais que c'est pas non plus. C'est pas comme si ça avait un grand rapport avec ce qu'on disait avant, mais voilà. Total Energy, mon cul! J'ai trouvé un vrai travail, oui! Je suis un furie sur les routes! Un furie de route! Assez dangereux pour qu'il n'y ait qu'une formule. Qu'il n'y ait plus de Formule 1, la catégorie reine, qui court dessus depuis les années 90. En vrai, c'est faux, il y a une partie qui a été faite pour la F1, mais tout de même. Oui, voilà, c'est une partie seulement, et qui a été refaite spécialement pour la F1, parce que sinon, le truc principal n'était vraiment pas fait pour ça, c'est ça? 100% simple, oh merde, non! I'm going to empty a garage, les sous-titres. Ils disent quoi les sous-titres? I'm going to empty a garage. Satané sous-titres. Le Polytech c'est des FDP sans... Non, c'est très faux. C'est très faux. Hein. Je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai des connaissances en polytechnique. Mais je sais que c'est pas des connards. Mais après, ils sont peut-être pas représentatifs de tout l'ensemble des polytechniciens. Mais après, c'est que maintenant, il y a une nouvelle filière agro qui s'est ouverte en polytechnique qui est liée à l'environnement. Et généralement, tu vois, les gens qui vont dans cette filière-là, ils en ont pas vraiment quelque chose à foutre du pouvoir parce qu'ils y vont pour avoir un impact sur l'environnement. Ils font des longues études. Spécialement pour ça, du coup, c'est pas eux qui vont aller chez Total Energy ou qui vont aller. Enfin, remarque, pour ça. Mais c'est pas eux qui vont aller, en tout cas chez McKinsey. Not all polytechniciens, putain. C'est pas possible que ce soit tous les polytechniciens. J'ai une amie qui est polytechnicienne et elle est très gentille. Donc c'est pas possible.
je la défends, elle. Je sais pas ce que vaut la... J'ai jamais été dans le campus, j'ai jamais vu la gueule des gens. Je connais elle et un peu de ses potes. Je sais que eux, c'est vraiment des gentils. C'est tellement des gentils qui se torturent avec des années d'études super dures pour essayer de changer la donne. Donc c'est vraiment... C'est ça, ils sont pas cool, bah ils sont cool, quoi. C'est vraiment... C'est des gens cool. T'as la musique triste, là, qui... Juste, on est en pleine torture. En gros, le circuit est mille fois trop fin et il n'y a pas de bac à sable pour ralentir les crashs. Il n'y a pas de bac à sable pour le mal, mon bâton de sable, et du coup, t'aimes pas le circuit. Et il y a différents types de goudrons et donc d'adhérence. Il y a des montées qui prises. Voilà. Par une, pour une. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée pile avant. Mais est-ce que c'est bien tombé? Par une F1, elle est sur Pluton. Putain, la barre en métal est sur Pluton maintenant. Patapadam! Musique de merde. Je suis méchante avec la musique, mais j'en ai rien à foutre. Elle est à chier, putain. Elle est à chier, putain. Par contre, une autre musique qui est à chier, mais qui est pas faite, parce que là, du coup, il y a une excuse. C'est fait par une personne, ce jeu. Une seule personne. Et c'est pas forcément une personne qui sait faire de la musique. Tu vois, elle a fait ce qu'elle a pu, cette personne. Un autre type de musique où ils ont moins d'excuses, c'est pour le remake de Pokémon Diamant Scintillant de mon cul, où là ils ont fait des remixes qui je trouve sont complètement ratés ou très peu à propos. J'ai réécouté des trucs un peu il y a quelques temps et je me suis un peu calmé dessus en disant bon, finalement c'est moins pire que ce que je pensais, mais franchement c'est très décevant. Ça ne renvoie pas du tout la même énergie que les... Il y a plein de musiques qui ne renvoient pas la même énergie que les originales et ça renvoie pas... Non seulement c'est pas la même, mais en plus c'est un truc beaucoup plus vide. Ça fait vraiment fait sur en midi, mal mixé, quoi. Très bien. Podcast sur les différents types de goudron. Ah, ça, il faut demander à Grage. Ça, il va le faire. Grage, tu le fais? Il faut le faire. Il faut le faire. La 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 la. J'aimerais bien arriver à la prochaine ville. Parce que là, tout ce qu'on a fait en plus de 2 heures, hein, on a fait à peine une ville. Finalement, le jeu tient la route grâce à ça. La 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 la. Je vais faire des recherches, je tourne ça demain, c'est sur YouTube dimanche. Et si tu le fais, je suis trop contente. Ça peut être très drôle. J'aimerais vraiment que tu le fasses, sincèrement. Oh bah putain. Claude Ponty contre Claude Ponty! Y'a pas de musique. Et bah, je vais faire un truc tout de suite. Parce qu'il y a pas de musique. On va remettre un peu de Air Gear, qu'est-ce que vous en pensez? Sky too high. N'hésite pas à faire tourner le lien, bien sûr. Oui! Il faudra faire tourner le lien de la vidéo de Grage. The truth shall set you free. Je vais pas le faire, mais c'est dommage, tu pourrais... Hey, une vidéo de 1 ou 2 minutes. Juste, tu fais juste la liste des différents types de goudron. Je suis pas vraiment très forte, mais je vais faire de mon mieux. Wow, c'est quoi ça? Mais c'est l'évolution de la poupée de cire, poupée de son, ça! Je vais slasher. The truth. Baby, baby. Shibi, baby. Shibi, 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 baby. Shisa! Bah oui, vous voyez, c'est la poupée de cire. Je peux pas mettre... Non, je peux pas la mettre... Je peux pas la mettre en... Bitreal 303. Elle m'intrigue, je me rappelle plus. Si, je me rappelle. Bah oui, voilà. Évidemment.
C'est la musique de concentration, là. Elle est trop bien. Sky. Just Sky. Ah merde, c'était dans l'autre sens, ça. Pèse Vita par terre, Vita 1. Ouh, m'a fait peur ce con. Hey, t'es un dresseur toi? Non. Ah, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour pouvoir apprécier sa balade de l'après-midi? Je pense que jouer à une sorte de jeu. Pourquoi tu as une pépé? Pépé sourire. C'est vraiment Sacha de Bourg-Palette, lui. C'est moi, Sacha de Bourg-Palette. Oui, la preuve, il l'a dit. Runway. Intense concentration. Je veux voir s'il y a une autre ville. Oh, une dresseuse! Je vais essayer d'éviter les dresseurs parce que j'ai peur de pas être au niveau et de devoir recommencer depuis le début. Ce serait dommage. Le corps dresseur, c'est non! Non, non, répète pas la musique, non, répète pas la musique! Stop, stop, stop! Have a reggae break! Raga break! C'est même pas reggae break, c'est raga. Raga muffin, tout ça. Le boog dit Jones avec une pépé d'un mec de 15 ans. Oui, voilà, c'est ce qui m'intriguait. Je suis un peu roqué, hein, je répète ce qu'ils disent. T'inquiète, Diane. Ne sois pas gentil avec moi juste parce que je suis petit. Mais tu combats? Je pensais que tu comprenais pas. Merde, j'ai pas tous mes PV. Condense. Je vais te switcher avec Mizu-san. Oh, Yir. Je vais pouvoir tester Yir. Yir. Mais bon, digital, ça, tu es de type digital, là. Petit monstre. Oh, tu es très fort. Oui, pap. Hello. In my dip. In my dip. Dip, 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 dip. Oh non. C'est pas grave, je peux te digitiser. Encore une fois. Excellent. J'ai des pépés de 1200, ça fait beaucoup de pépés. Hein. Quoi? Hi, hi. J'avais pas réalisé que le mec au début il fait hi, hi, hi. Oui. C'est par là? J'espère. Oh, Pitchy Plateau, le plateau pêcheux. Plateau pêcheux, bla 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 bla, le plateau pêcheux. Plateau pêcheux, bla 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 bla, le plateau pêcheux. J'ai toujours vu une table de billard, mais maintenant que c'est là, eh ben, je sais pas, c'est un petit peu bêta. Hello. C'est vrai que c'est un peu bêta. Surtout quand tu es tout seul et que tu peux pas jouer au billard. Mon dieu, fais attention petite Ophi, ta robe se fond au décor. Oh, j'ai eu une, comment on appelle ça? Une pique, quoi, enfin, le truc, la pique, là, le machin, pour faire les... Comment ça s'appelle? Une pique. Comment ça s'appelle? Pickaxe. Comment on appelle ça? Je sais plus. Eh ben, elle est toute brillante, flambant neuve. Plus rien... Ah! C'est une pipe en métal, j'ai une pipe en métal, flambant neuve. Plus rien ne pourra se mettre sur mon chemin. Smash! Bienvenue au Pitchy Plateau, le bateau pêcheux.
On est toujours en train de travailler sur notre inventaire, mais on devrait être ouvert dans quelques jours. Attends, stop tout. Parce que je vais Pokémoner maintenant. Il me faut une nouvelle ville Pokémon. Une ville Pokémon, oui, Pokémon. Ou sinon... Non. Enfin, c'est parce que je voulais changer de musique et finalement j'ai pris exactement la même. Mais cette fois-ci, de jour au lieu de nuit, c'est vraiment complètement différent. Une pioche. Ah merci, mais bon putain, j'avais oublié le mot pioche, quoi. Je suis vraiment une cloche. Je suis une pioche ou une cloche? Attendez, votez dans les... Vous avez 3 minutes. Vous avez littéralement 3 minutes. Ça n'a pas marché? Ah non, c'est parce que... Bah non, mais pourquoi ça ne marche pas? Ah merde, attendez, mon truc qui était censé marcher ne marche plus. Attendez, je vais faire un truc. Je vais voir pourquoi ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, bah tant pis pour moi. Enfin, la pole est là, mais c'est autre chose que je voulais faire marcher. Ah ! Parce que mon truc n'est même plus là. Stream Deck, où es-tu ? Pourquoi n'apparais-tu plus quand j'ai besoin de toi ? Pourquoi n'es-tu plus là? Pourquoi tu es si bizarre? Faut que je le link à nouveau? Attendez. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, voilà. Je préférais Ploche, mais bon... Oh, putain, ça aurait dû être l'option 3, mais tout le monde aurait voté pour celle-là, tu vois, elle aurait eu trop de succès. Il aurait eu trop de succès. Vraiment trop de succès, ça aurait été dangereux. Choubidabidibidou. Bidabida. Bibida. Et ça, par contre, je vais le mettre. Stream Deck, je vais le mettre. Non, pas Strick. Stream. Je vais le mettre dans le menu. Dans le menu, il y a mon Stream Deck. Voilà. C'est bon. Maintenant que j'ai fini de faire de la comptabilité de streamer, là... Est-ce que je peux passer par là, madame? Je peux voir votre petite note qui ressemble à un oiseau, madame? Je peux pas? Super, on va te faire foutre. Bonjour, monsieur! Est-ce que vous avez vu ça? Dans le sky, in the sky... Ce n'était pas un oiseau, ni un avion, c'était un phénix scintillant. Eh ben rien à foutre. Rien à foutre des phénix. Y'a pas un petit centre Pokémon par ici? C'est vraiment une ville de merde comme ça? Si, il est là, voilà, c'est bon. Ah non. Burst can be used on turn 1. Ah d'accord, je ne savais pas. Mais c'est une... Quand vous avez plus de 80% de votre vie. Pourquoi? Oh! Attendez, il y a les résultats. Il y a les résultats. Les résultats disent... Il y a un vote pour pioche. Et un vote pour cloche. C'est donc une égalité très sincère. Entre la pioche et la cloche. Moi je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Merveilleux. Tu es une ploche, Harry. Tu es une ploche. Je m'appelle Belle. Moi je m'appelle Ploche. C'est super. C'est le meilleur nom
que tes parents auraient pu te donner. S'appeler Ploche, c'est merveilleux. C'est une bénédiction du ciel. J'ai pas parlé à qui? À toi. Tout ce temps, et bien Burst double le pouvoir du prochain move. Ah bon? Je devrais vraiment acheter plus de volumes de cette Battle Guide là. Ah bah oui, en effet. Et je suis où sur la map? Je suis tout en haut du bout du monde. Et bah dis donc. Là, j'imagine que les monstres sont extrêmement forts et que je vais mourir immédiatement si ça me retourne dans ma maison à chaque fois. Mais c'est putain d'infernal. Comment jouer si ça te TP dans ta maison à chaque fois que tu meurs? C'est terrible. Ça me met dans une torpeur terrible, terrible. Un petit renard à billes. C'est un renard, il est très gros, hein. Comparé à ma taille de mon perso, c'est un énorme renard avec une bille. Une bille! Il est pas si fort que ça. Donc je peux slash! J'ai pas assez de points de vie pour slash. Merde. Mizusan, à toi de jouer! Quand tu switch, ça fait quand même des dégâts. Truc que j'avais pas tilté maintenant. Yir! À toi de jouer, Yir! Ah non, seulement avec Mizusan. Tu es une ploche! Ah mais j'ai relu ton message, pardon. Salut Kit Star. Kit Star. Je croyais que c'était un nouveau Kiki qui nous suivait, parce qu'il y a un Kiki qui vient de nous suivre là. Nous, dans le sens nous royal, évidemment. Je me suis dit, mais est-ce que ce serait des bots qui s'appellent tous Kiki? Des Kiki bots? Ça m'aurait étonné. Et bienvenue à toi, bienvenue. Je change de musique, on est en plein combat. Parce que je vais vérifier quand même si jamais la musique est revenue, hein. Mais non, la musique n'est pas revenue. J'ai appuyé sur P, c'est pas revenu. Ça pue. Oh. Non mais là c'est Gatling Boss. Non non, je veux pas le bicycle. Skibidi-bidi. Wahoo-da-da-di. Da-ba-da-ba-di. Ah, paix. J'ai dit paix. Merde. Paix. Merde. Je vais le capturer. Tu es à moi. Yeah, utilise capture. Salut Mr. John Foxy. Ah non mais I already said hello to you earlier. Sorry. Merde, je vais revenir à la maison parce que je suis pas en forme. Putain de bordel de merde. Oh, quelle infortune. J'ai eu un mauvais jour, alors du coup je vais me branler sur toi avec un duel. Oh non, il a le ombrage. Est-ce que j'ai capturé le ombrage ou je l'ai tué? Merde, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas, non, je ne sais. Je ne sais pas, non, 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 non. Je peux même pas le slash, je peux seulement le bash. Vas-y, Mizusan. Ah non, c'est hier. Ah non, quand c'est le premier switch, ça fait des dégâts. Oh, trop bien. Oh, mais ça va tuer mon hier. Putain. Ah, putain de brosse. Merde. Putain de merde. Putain de merde. Moi, le burst, j'espère que ça va pas le tuer. Non. Je vais être confuse. Toutes mes confuses. Ah, ça l'a vraiment confusé. Swoop da whoop. Merveilleux. Oh, Vipre. Le monstre, il s'appelle quand même Vipre. Mais il y a certains des monstres qui sont très très simples. Mais c'est l'évolution de mon zouzou, Vipre, non? Enfin, on dirait un petit peu. Je sais pas. Surtout plus ou moins ressemblant. Vas-y, attaque Swoop. Attaque Swoop, zouzou. Tu peux le faire. Attaque Swoop encore. Swoop plus fort. Oh, c'est quoi, Glouton? Oh, il est trop bien, Glouton. Regarde, il a sa bouche qui est un peu ouverte et il fait, oh, je sais pas, toutes mes confuses.
Il est trop bien, il est super. Je vais le swoop. Ah, ça marche pas très bien. Il me fait suffoquer. Après, il a utilisé son mana, ce qui est bien. Allez, Bobby, tu peux le faire! Vas-y, utilise canon! Canon! Utilise Nible! Et pas d'inquiétude, j'utilise canon à nouveau! Je vais utiliser cracher le feu! J'utilise crache le feu! Ça marche très peu. J'utilise canon! Elle a déjà plus longtemps avec canon! C'est un fait. Bah. C'est un combat passionnant, moi je peux vous le dire. Je suis. J'en perds haleine. Toute mon haleine est partie. Voilà. Le plateau pêcheux, le retour. Je ne peux pas bouger ce boulder. Non? Super. Ah, j'en ai déjà marre de la musique de bicyclette. C'est quoi ça? Ah oui. J'ai bien envie d'une petite montagne. Montagne. Petite montagne. Ah oui, celle-là. Ah oui, c'est mieux. Un truc un peu plus énergisant, là. Voilà, voilà. Je suis retournée dans le même bâtiment. Super. C'est où déjà pour soigner, du coup? Il est où le bâtiment pour soigner? Il est où le bâtiment pour soigner? Il est où? Il est où? Il est où? Il est pas là! Il est pas là! Il y a vraiment que ici! Ah mais je suis con! Elle est là! Super! Attendez, je vais un peu écouter quand même la musique de cette nouvelle ville. Je viens de réaliser qu'on est quand même dans une nouvelle ville, donc... peut-être que la musique est nouvelle. Non. Non. Toujours aussi triste, toujours autant envie de mourir. Allez, vas-y, combat-moi. Me tue pas, STP. Je suis venu ici pour rechercher mon enfant, mon fils, mais il ne le trouve nulle part. Et maintenant, il y a plus de musique. Slash! Je vais te tabasser! Non, vraiment, ce jeu, si la musique fonctionnait, ce serait vraiment un meilleur jeu. Je suis navrée de faire de la mauvaise publicité de ce jeu, mais en même temps... Je ne peux pas vraiment recommander à fond. Après, sachez que la personne qui a fait ce jeu fait un jeu plus récent. Là, celui-là date suffisamment pour... Je pense que... Oh! Je retire tout ce que j'ai dit, ce jeu est parfait, il y a Fang dedans. C'est une sorte de Damonita, mais en fait c'est dans un rouleau de PQ qu'il est coincé. Vous le voyez le rouleau de PQ? Vas-y Mizu-san, s'il te plaît sois niveau 9 un jour. Oh là 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 là, il va mourir! Il va mourir de métal! Bubble! Bubble tout! Malheureusement, il va mourir à un prochain tour, hein, donc. Rire! C'est l'heure de rire! Oh! Ça fait très 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 mal! Mais digitalise tout! Oh, mais il y en a un autre! Digitalise tout!
énorme. J'ai gagné le combat. Non. J'ai relancé le combat. Tout ça parce qu'on peut combattre dans ce jeu en fait, parce que le but du jeu est un peu étrange. Pour pouvoir passer d'une ville à l'autre, il faut battre le traîneur d'élite de la ville. Du coup, il faut avoir un certain nombre donné de points, et pour pouvoir avoir un certain nombre donné de points, il faut faire de plus en plus de bagarres. Mais non seulement les bagarres d'adresseurs comptent, mais aussi les bagarres de Pokémon sauvages. Mais du coup, ça fait qu'il suffit juste de parler à un dresseur pour relancer la bagarre, mais j'aimerais bien un dialogue de confirmation, parce que... Du coup... Mais je croyais que les points de mana se rechargeaient! Mais c'est faux, mais ils m'ont menti! Mais c'est très inquiétant! Ah non, mais il va mourir mon bison seul! Mais merde! Ah là, du coup, je suis obligée de refaire le coup. J'ai envie de bipper en rythme, mais je peux seulement bipper à certains moments. Allez, c'est bien Ponty, Claude Ponty. Ah, la musique ne s'est pas remise parce que parfois en montant de niveau la musique se remet. Donc ça c'est cool, mais là elle s'est pas remise. J'ai peur qu'il ne meure. Mon Yir va mourir. Vas-y, utilise Swoop. Confuse. Tout est confuse. Ensuite, tout est confuse. Zouzou, utilise Swoop. À nouveau! Merveilleux! La musique de combat s'est remise à la fin, c'est vraiment super bien, c'est vraiment trop bien! Super même endroit! C'est quoi ce coin que j'avais pas vu? Je ne comprends pas où je suis, putain de bordel de merde. Je ne sais pas. Ah mais si, c'est devant ça. Toi tu vas me lancer un combat si je te parle. Du coup j'ai peur de parler à qui que ce soit parce que j'ai peur qu'ils relancent des combats. J'ai peur que ce soit des dresseurs que j'ai déjà affrontés. C'est ça que ça crée en fait. Ça crée l'envie de plus parler aux PNJ. Un Bloopy! Vite! Pars! Ouais, je suis partie. Bon bah du coup je reviens en arrière pour me soigner parce que je suis trop mal en point. C'est putain de l'aventure ça. C'est vraiment très chiant. Allez, je reviens. J'aime bien la musique de ce jeu. La 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 la.
Pokémon Centre. Le problème aussi de ce jeu, c'est que tu arrives dans une ville et il y a du vide. Elle te donne pas envie d'être... T'as l'impression qu'il y a rien qui t'attend. Y'a rien de très excitant. Très passionnant, y'a rien de très vivifiant, rien de très train-train. C'est pas très train-train. C'est pas très train-train. Mais attendez, j'ai capturé des trucs super, hein. Bon, rien à foutre. Un combat. Bye bye. Toi, oh, je peux pas te parler. J'ai trop peur. Il est trop menaçant. Il a même une aura autour de lui. Du coup, ça fait très peur, mais j'ai vraiment... très très peur, très peur. Donc, que se passe-t-il ici? Je sauvegarde au cas où. Elle est très belle, cette cave. J'ai trouvé un cristal. Je vais pas affronter, lui. Il était une fois... Il y avait on dit qui disait... Ah bah, en fait, qu'est-ce qu'il se disait, en fait? C'est quoi déjà? C'est pas... Ça fait plutôt... putain, ça fait... Enfin, vous voyez, attendez, je vais vous faire la musique, vous allez tout de suite la reconnaître, en fait. Parce que du coup, voilà... Ah putain, je joue bien du kazoo, là. Nekobi, tu vas mourir ce soir. Yaro! Oh, il est trop cool, Yaro! C'est un Skloopoop qui ressemble à un Spectrum, mais qui en est pas vraiment un. Il est très mignon. Les pas pleins de void. Les pas de void. Oh, utilise Bubble. Vas-y, bisous ça. Ah non, il utilise compile. Il va me compiler dans une compilation musicale. J'ai très peur. Je suis vraiment... très peu de dégâts. Il utilise compile et il se reprend plein de vie, putain! Ah là là, hir! Nique-le! Ouh là là! Swipe! Non, hir! Mais ça, tu as toute ta vie? Ah oui. Tant pis. Oh non, compile, je vais lui redonner la vie. Pourquoi ça fait une attaque vers moi quand ça lui redonne de la vie? C'est trop con. Je pense que ça, c'est que c'est pas fait comme il faut, mais bon. La la, choubidibidim, dam bim bim. Oh putain. Liche. Liche-moi les babines. Hop là. Ah bah non. Non, c'était de la merde. Swap. Est-ce qu'il a plus de mana, lui? Ouh, c'était super efficace! Bombi! À toi de jouer! J'aime bien le petit effet de petites étoiles, il est mignon. Canon! Utilise ton canon! Ah oui. Petit crache-feu! Crache le feu dessus. Feu du you. Feu du you. C'est la mort. Utilise Bubble, bisous ça. Ouh. Utilise Bubble, mais très très fort. Et là, normalement, la Légion d'honneur devrait le terminer. Sub-Zero.
Ouh, c'était moi une. Scoop scoop tip 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 tip. Stop et tout. Super. Eh ben j'ai failli mourir, maintenant j'ai presque plus de vie et puis et puis y a un truc qui m'attaque. Oh, c'est un ombrage sauvage. Super. Y a pas de musique. La 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 la. Sauvage. Ah, j'ai attrapé un ombrage, c'est trop bien. Je sais plus si je l'avais déjà attrapé. Et du coup, dans le loot, j'en ai deux. Du coup, je sais pas où aller, parce que j'ai pas vu le traîneur d'élite de la prochaine ville, là. À moins qu'il n'y en ait pas, dans cette ville-là. Je vais dans l'arrêt respiratoire. Je vais me requinquer. Et voilà, tu te propres comme un sous-neuf. Super! Je vais mettre. Ah non, j'avais pas ma capturée de ombrage sauvage. Du coup, je vais mettre le ombrage à la place de mon. J'hésite carrément à enlever mon Mizusan maintenant parce qu'il est. Il est en galère et il monte jamais de niveau. Bon, Mizusan, tu. Voilà. Mon eau naturellement pétillante, gazeuse, là. Bon. Bye-bye. Sourire. Skibidoo. Je vais sauvegarder parce que... Bon. C'est toi le traîneur d'élite? Oh là là, c'est vraiment très très bien de pouvoir profiter de ce jour très très soleilleux dans mon jardin. Mais c'est pas ton jardin, mais c'est... Ton jardin, ce n'est pas la ville. C'est la ville, là. C'est pas très grave. On va lui dire que c'est son jardin. Je suis sûre que ça lui va très bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est le traîneur d'élite? J'ai suffisamment de points pour le traîneur d'élite numéro 2, hein. Je suis déjà parlé. Bah alors? Il est où le traîneur d'élite là? Je suis allée là-dedans. Hein. Donc eux ils seront ouverts plus tard. D'accord. Je peux pas passer par là? Du coup faut que je fasse un truc que je comprends pas. Que je sais pas où, là. Je sais pas où. Là, c'est vide. C'est peut-être toi, le traîneur d'élite? Vas-y, parle-moi. Oh non, mais je l'ai déjà parlé, je me rappelle plus du coup, je l'ai déjà parlé. Allez, aidez-moi, laissez-moi ce visage. Désolant. Ce jeu me désole. Oh, je suis désolée. Oh, ce jeu est désolant. Super. La musique. La musique. La musique est de retour. C'est la musique, elle est de retour. Pourquoi je suis contente alors qu'elle est chier? Pourquoi je suis contente alors qu'elle est vraiment âgée? Et ben je sais même pas vraiment pourquoi, mais en tout cas c'est super bien.
Si je fais Z, du coup ça burst. Non, c'est... Flash burst. Je comprends pas si j'ai appuyé sur Z ou pas, je ne sais pas vraiment. Switch. Ah oui, l'ombrage. Suffoque-le, ombrage. Je peux le faire. Vas-y, wallow-le. Je suis sûre que ça veut dire que tu brages, ça. Brage-le. Confuse-le. Suffoque-le. Suffoque-le plus. Ah non, c'est confuse-le. Moi, je sais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Confuse-le plus. Oh, le mépris. Mais elle est où, la Nextaria? En plus, je peux même pas grind les Elon Musk points là à cause de ça. Je ne sais pas. Est-ce que je suis allée du mauvais côté? C'est pourtant vraiment le seul côté. Peut-être qu'il faut que je me téléporte. J'ai envie de vous dire un truc. Voilà. Et puis... C'est la fin. C'est la fin du putain de jeu. Baby please. J'ai streamé pendant 5 heures. C'est plus longtemps que ce que je pensais. Donc voilà. To the sky. Laissez-moi voir qui stream. Ah, il y a Jules Naleb qui fait... je pense qu'il est en train de faire la continuité, la suite de sa BD. Parce que là, il fait sa nouvelle BD. Oui, c'est ça. Donc, dessineux très très cool. De mémoire, c'était chez Pio qu'il avait édité un truc. Ion 6, c'était chez Pio. Maintenant, je sais pas s'il l'a réédité autre part, puisque Pio n'est plus. R.I.P. Pio. Mais en tout cas, il prépare sa nouvelle BD, qui va forcément être quelque part. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je pense que je vais raid Jules Naleb. Parce que simplement, là, en français, bah, y a lui. Et j'aime bien ce qu'il fait. Et du coup, j'ai bien envie de partager. Bon, ça a pas vraiment de rapport avec ce qu'on faisait. Donc, soyez gentils. Voilà, on n'était pas en train de faire du dessin. Et donc voilà, ça n'a pas de rapport direct, mais qui s'en fout des règles? Donc je pense que je vais faire ceci. To the sky. Ah putain, mais moi là, je suis hyper gear du coup. Tu m'as donné de l'espoir. To the sky, quoi. Alors, je prépare tout ça. Donc aussi, désolé, j'ai pas beaucoup streamé à mon retour là. Je vais essayer de streamer plus régulièrement maintenant. Je vais essayer, hein. C'est pas dit. C'est qu'il fallait que je finisse 2-3 démarches qui me prenaient pas mal la tête. Et j'avais jamais vraiment l'esprit à streamer, mais là ça revient, du coup. Mais bref. To the sky, to the sky. Bye bye à tout le monde. Je vous dis à la prochaine. C'était bien gentil à vous d'être passé, babies. Et honnêtement, je pense que je ne vais pas rejouer à No Monster, sauf si je ne sais quoi arrive à mon cerveau. Donc, j'imagine
J'ai envie de voir quand est-ce que le jeu est sorti, mais on peut pas voir. Si, en 2021, je vois des trucs, genre de développement 2021. Ok, c'est 2021. Donc c'est un jeu de 2021. Donc la personne s'est améliorée depuis, mais bref, si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous envoie quand même le lien de New Monster ici. Moi je l'ai pas acheté à 15€. Mais par contre c'est putain de cher pour ce jeu, hein. Ne l'achetez pas à 15€, je trouve qu'il ne les vaut pas. Je l'ai eu à 4€ quelque chose. Mais c'est cher 15€. Bref, je me plains. C'est pour stream, dire rien de grave. Et salut Léon Béré, salut tout le monde, bye bye. Allez faire un coucou à Jules Naleb, son travail est complètement dingue. Allez donc voir ce qu'il fait, c'est super. A plus, follow me.